Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue sur ma chaîne, c'est Super Ness. Et aujourd'hui, on se retrouve pour un truc assez spécial, puisque ça fait très, très longtemps qu'on n'a pas tourné un podcast Nishen. Et aujourd'hui, c'est le retour, le grand retour du podcast Nishen. Et j'en suis extrêmement heureux. Ça fait un an qu'on a fait une dernière version, ça c'était chez moi, c'était pas les meilleures conditions. Et ça fait peut-être presque quasiment deux ans. On a fait la version en studio. Ça sent un peu mauvais chez et, lui, c'est euh, pour ça. C'est voilà, pour ça qu'il dit ça. Et, euh, et donc, du coup, voilà, je suis extrêmement content qu'on fasse cette version-ci. Et puis, ben, euh, je vous présente mes invités. Aujourd'hui, on est avec la légende, Tarek, le Tribal Chief, qui s'occupe notamment de tous mes derniers montages, l'homme qui apprend plus vite que son ombre. Ici, on est Ou même l'homme qui tombe à pic. <laughs> Alors, je sais pas, on a bugué tous les deux. Hein. Ouais. ouais, je t'explique. Notre oncle s'appelle Oumem. Même. Et donc, bon t'as fait Oumem Même et on est en mode. <laughs> dis, hein as fait on a passé un choc mental. Et incroyable parce que nos deux ah, têtes. <laughs> Sangoane, <sur les, les rire> tu comme vois. <laughs> du coup, on est accompagné. L'oiseau arrive, attends. <laughs> on est accompagné également de Yves C'est euh, moi. C'est euh, la légende de Final Fantasy VII, l'homme qui peut vous parler de Final Fantasy VII pendant des heures. Ouais, même s'il euh, a rien à dire de voilà. vraiment un singulier ou intéressant. Exactement. Et on a également euh, à nos côtés Baker Ruth, euh, ouais. l'homme qui, euh, qui est extrêmement fan de Final Fantasy 7 également, mais qui est extrêmement critique avec cette œuvre-là. Et c'est pour ça qu'il est là aujourd'hui, euh, puisqu'on aura... Critique du remake Critique ouais, de remake. Très peu ça. critique de l'original. <laughs> donc on a quelqu'un qui idéalise totalement <laughs> l'original. Et, euh, et donc voilà, je suis très heureux de t'avoir pour la première fois sur la chaîne. Il euh, faut savoir que Baker est un compositeur de musique notamment, et qu'il y en a peut-être certains d'entre vous qui ont euh, qui ont découvert ses œuvres sur YouTube puisque euh, avant de le connaître, j'ai écouté déjà ses musiques, avant de connaître Baker, avant de savoir que c'était le cousin de Yves notamment après. Mais euh, voilà, il m'a énormément aidé aussi pour la chaîne YouTube, des petits conseils, que ce soit pour les miniatures, etc. Donc merci encore pour ton aide. Et aujourd'hui, il est là autour de la table pour parler avec nous de Final Fantasy 7, puisque en ce moment, tu, tu travailles également sur du jeu vidéo. Exactement. Donc c'est très cool de t'avoir parmi nous. Merci beaucoup. Merci à, à vous trois d'être là. Merci La beaucoup. Pression fait une Merci nouvelle présentation. Wow. J'ai jamais vu ça et pourtant Même je suis moins Et donc voilà, aujourd'hui on est le ensemble sang. pour parler de Final Fantasy 7 Rebirth. Euh, tu peux le dire toi parce que tu as un accent américain. Tu as vraiment bien dit ça mon frère. Ah ouais c'est vrai respect. pour une fois que tu critiques pas mon accent. Je, suis je fais présentant. ça. Oui, très souvent. Vraiment très souvent. Ah. J'ai des vocaux qui le prouvent, je vous les mettrai après dans le... <laughs> T'as vu, maintenant je dois rajouter mmh. des trucs. Mmh. c'est moi qui m'en occupe, c'est moi qui pour ça euh, Du coup, euh, pourquoi il fallait faire ce podcast Bon, d'habitude, le podcast, il parle de cinéma, et cette fois-ci, on parle d'autre chose, parce que Mission, oui c'est pas que pour le cinéma, J'ai une parler. question, est-ce qu'on parle mais... que de Rebirth, ou on parle de l'œuvre Final Fantasy VII bah, Je pense que, dans notre manière de on parler, d'habitude, on a l'habitude de, de digresser, ou de parler aussi en long et en large, ouais. mais c'est juste que l'expérience du Rebirth a fait qu'on en avait envie de se alors, euh, de se joindre, et discuter. Parce que je le vois déjà venir avec ces cadages et autres. Ah. Non, 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 non. Je parle de... non, non, non <laughs> ah, mais, mais si on parle <laughs> de théorie, c'est <laughs> possible. Bah, oui, de théorie. Par contre, je te dis déjà, je connais fin 2017, enfin l'original, mais. Je ne connais pas tout à fait ce qui se passe. Ça veut dire que je découvre aussi le jeu à travers. On n'est pas là pour se mettre des bâtons dans ne les roues. On parle Moi... de ce troisième CD. C'est tout ce que je te demande. Ne me spoil pas. Exactement. Ne ça parle pas de troisième CD. Lui, il est, est là. Qu'est-ce que vous faites ouais. Il va falloir non, le non. faire. Désolé, autour de cette table. On doit ouais. parler de Final Fantasy qui est une œuvre <coughs> intemporelle. Et puis, a, comme on dit, a le spoil a une date de péremption. Ouais. Et euh, donc voilà. Donc aujourd'hui, le pas plus important, ce que je voulais dire avec ma remarque, c'est que je pense que c'est juste plus riche, vu qu'on a tous vu le film. Ouais. Euh, qu'on a toujours et à Crisis Core. Ouais. Comme dans Rebirth, on a justement euh, ce personnage phare de Crisis Core qui est, qui est vraiment fort incorporé, ou pas assez, ouais. euh, Zack. Donc voilà, je pense que c'est bien de dire on va parler de Final Fantasy VII, basé sur l'expérience qu'on a fait sur Rebirth et Remake, parce qu'ils ouais, sont exactement. aussi à comparer les deux. Quoi. Et puis de toute façon, je pense qu'on a un peu tous nos apports différents, parce que je ne sais pas si entre-temps tu as pu voir un peu les cinématiques de Before Crisis. Ou pas. Euh, il me semble que je. On va pouvoir en parler aussi. Et puis il y a aussi la de Nomura en général qui risque d'arriver aussi puisqu'il y a Kingdom Hearts aussi et donc on a un peu vécu ça. Et donc ça, on parlera là que je pas sors de la ça. La pièce parce que vous trois. <laughs> mais ça, c'est pas pour en parler en long en large, mais c'est plutôt pour voir un peu les similitudes notamment aussi, avec la cette œuvre-là. On a découvert aussi ça. Hein. Ah oui totalement. Parce que moi j'ai découvert d'une manière totalement mais on différente. On peut commencer avec si ça tout vois. simplement. Mm -hmm. euh, pour commencer peut-être pour faire juste une petite intro à ce propos, comment chacun a découvert Final Fantasy VII? Oh bah, c'est Qui veut commencer Vas-y, je t'en Moi, c'est plus, plus récent que vous, on va dire. Donc, je dirais, moi, en fait, j'ai découvert euh, les personnages de, de Final Fantasy VII via Kingdom Hearts. Donc, j'ai découvert Cloud et euh, Sephiroth. Et Tifa euh, Non, d'abord, il n'y avait que ah, Cloud et Sephiroth. D'ailleurs, Cloud était habillé comme Vincent Valentine, parce que ça devait être d'abord Vincent Valentine dans le jeu. Donc, c'est comme ça que j'avais découvert. Et euh, donc j'ai kiffé les personnages, et puis de là après j'ai découvert Advent Children parce que c'était déjà à cette période-là. J'avais regardé le film, j'avais adoré euh, les personnages, etc. Après, moi j'avais du mal avec Final Fantasy parce que je n'aimais pas le tour par tour à l'époque. Là mm. aujourd'hui je peux le faire, mais à l'époque c'était pas possible le tour par tour. Euh, donc c'est comme ça que j'ai découvert l'œuvre. Ensuite, je me suis intéressé au lore du mani de, de manière générale, euh, et puis ensuite euh, Remake est sorti. Crisis euh, euh, Non, Crisis je l'ai fait aussi en, en remaster après moi. Ah, tu l'avais jamais non, fait sur PSP Non, j'avais jamais fait sur PSP. Ah, ok, ok. Et euh, parce qu'à l'époque aussi, les jeux d'aventure, je jouais, jouais pas assez. Tu mmh. vois. Et donc, euh, ouais, voilà, c'est comme ça que j'ai découvert. Ensuite, la, le remake est sorti, je me suis dit, ça y est, j'ai l'occasion de pouvoir utiliser Cloud sans que ce soit Final Fantasy Dissidia, <laughs> tu vois. Donc, je me suis dit, ça y est, c'est le moment. <laughs> je lance la démo, je kiffe, mais j'ai un peu de mal. De, tu sais, moi, les jeux d'aventure, quand tu peux pas sauter, j'ai du mal. Tu vois ce que je veux dire donc, euh, d'abord, donc, euh, quand j'ai fait la démo, je me suis dit, ok, c'est sympa, mais je sais pas si je vais le faire. Puis un jour, il y a un pote à moi, Nasreddin, qui m'a dit, euh, dit vas-y. Shout, shout out, out. <laughs> ouais, C'est lui qui m'a ramené Brooke, hein, donc, <laughs> euh, ouais. shout out de ouf. Donc, euh, il m'a dit, vas-y, fais-le, je te regarde jouer, etc. Fais-le, j'ai envie de te voir jouer, j'ai envie de te voir découvrir le truc. Le gars, j'ai lancé. Au début, j'étais en mode, ouais, t'inquiète, de toute façon, je vais jouer seulement quand tu regardes, parce qu'à la base, je n'ai pas envie de le faire. Il m'a regardé deux fois, frère. Après, j'ai <laughs> tué le jeu. J'ai tué le jeu, mais d'une manière. Puis le rebirth, j'attendais tellement aussi. Parce que maintenant, forcément, ce qui m'a donné plus envie de faire, c'est aussi toute cette histoire de ce pas tout à fait les mêmes jeux. Mm. Moi, c'est... Je on va pouvoir peut... aller. Parce que là, ouais, c'est juste <laughs> découvert la découverte pour l'instant. Parce que j'ai vu qu'il était <laughs> parti dans toute l'histoire. Ouais, ouais, c'est comment... oui, dans mon cas c'est ce qui m'a... Non, c'est ce qui m'a donné envie. C'est pour ça que je ne vais pas plus loin. Mais ce qui m'a donné envie de faire le remake, c'est que... Moi, le fait que j'ai entendu que c'était un peu différent, ben, ça a fait que ça m'a donné plus envie de m'y intéresser, je et tout de à découvrir faire. une nouvelle chose aussi, parce que voilà. Donc, euh, mais ce n'était ouais. pas donné de départ. Non, c'est quand mes frères l'ont fini que j'ai ouais. appris ça. Et donc là, je me suis dit, déjà, je me suis dit, ah, si c'est différent, on, on, on se dirige vers quelque chose de totalement, pas totalement nouveau, mais de, de nouveau quelque ouais, part. Ouais. Une vraie expérience, quoi. Ça me donne envie. <laughs> mais vraiment surtout parce que les personnages, euh, a... les personnages sont incroyables. Exactement. <laughs> -y, et pour toi euh, J'avais 12 piges et je pense que je vais chez un de mes meilleurs amis. Ça, loin, ça fait longtemps. <laughs> et euh, après l'école, j'allais souvent chez un de mes meilleurs potes, il s'appelle Eric, Cin 50 mètres. <laughs> et euh... Le gars, il fait 50 mètres, incroyable. Ouais. Ah, il joue au basket, tu connais ah, okay. pas. Mais son pseudo, c'est Yaoming. Ah, ok, d'accord, je, je comprends pas. mieux alors. <laughs> et. Euh... <rire> <rire> On, on testait des jeux tout le temps et en fait c'est je pense lui qui a eu le jeu en tout tout tout, tout premier et j'arrive chez lui et il me tape le jeu sans me poser de questions enfin on est jeunes c'est bien et je vois le truc et chaos 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 complet donc je sais plus si je lui pique si je lui demande à prêter ou si le lendemain je dis à mon frère à un de mes frères d'aller l'acheter je me souviens plus ou si ça prend une semaine mais dans ma tête on est passé de ce moment là je suis à la maison et mon frère joue en fait au jeu euh, et je regarde et à un moment donné, il me laisse jouer. Et du coup, il y a toute cette première mission avec, euh, avec la, euh, le réacteur Mako à faire exploser. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, parce que c'est exactement ce qui se passe dans le remake, mais dans le remake, on a de beaux graphismes. <laughs> Donc on comprend tout ce qui se passe. Ouais, si. <laughs> ouais, car je pense qu'il connaît bien <laughs> cette histoire. Et du coup, je suis là, hyper stressé, parce qu'on doit placer une bombe. Après, il te demande, ouais, tu veux mettre là, combien ouais. de temps Alors, tu stresses, tu ne veux pas faire la pute qui met 10 minutes, mais <laughs> bon, tu fais quand même 20 parce que tu ne veux pas mourir. Et je mets, je ne sais plus quoi, 20, on va dire. Et en remontant, je passe à côté de Jessie. Et je la vois, mais on est sur des pixels. Ouais, ouais. Et je suis en mode, Sista. Déjà, on pensait que c'était un gars à l'époque. <laughs> Donc j'étais en mode, vieux type, <laughs> moi je bouge. Donc je le... vraiment, je suis en train de monter, tu vois, mon monte les trucs. Et je vois elle est là ou il est là. Et je dis, bon, ciao. Et en fait, j'arrive en haut. Quand tu dis ciao, c'est que tu, tu avais quitte, la, la possibilité de pouvoir l'aider. En fait, fait ouais, mmh. le ouais, personnage ça. est là. Toi, tu passes comme ça et tu peux faire ça. Où tu peux faire ça. Et, y ça parce il, et y bombe, il y a la bombe. a la vois. bombe, les gars. Donc, moi, je suis zig, tu vois. Tu pas et tu Et en fait, c'est eux qui avaient les codes d'accès pour ouvrir tous les, tous et les, les, les portes. C'est ça, c'est les portes, ouais. tu vois. Et j'arrive en haut et je n'arrive pas à ouvrir une porte, mais je, je tilte même pas que c'est parce que j'ai laissé l'autre. Parce que à cause des pixels, on ne sait pas qu'elle est bloquée. En fait, elle s'est bloquée le pied. Ce qu'on <laughs> qu voit dans un jeu avec des, ouais, avec, tu vois, des, des, des graphismes. graphismes ouais. Et du coup, j'explose, frère. Je fais la première mission et ça explose. Game over. Choc mental. <laughs> C'est-à-dire que moi, j'ai 12 piges. Il y a ça qui s'est passé, 11 ou 12 ans. Mon frère, il me fait tout, va dormir. Tu vois. Il est 21h30, <laughs> un truc comme ça. Il y a l'école de demain. Et, demain <laughs> et je vais dans mon lit et je fais un cauchemar. Je fais le cauchemar qu'il y a une bombe à l'école et qu'il y a le minuteur et que je n'arrive pas à sortir de l'école. <laughs> Incroyable. Et ça, c'est mon introduction à Final Fantasy. Je valide ça. Ça aller être dingue. <laughs> <laughs> Dis-nous, Bakker. Oh. Ben moi c'est très simple. Lui il était tout le temps chez son ami Eric. Moi j'étais tout le temps chez lui. <rire> <rire> il me fait "bakker bakker viens j'ai un nouveau jeu". Je fais "ok j'arrive". Et puis après je le regarde jouer à Final Fantasy et je découvre le jeu avec lui. C'est comme ça que tu l'as connu vraiment au tout début. Ouais, ouais. T'as pu jouer, euh... jouer au final ah, C'est bien. Il est, regardé... est jeune, il est. Ah il oui, ouais, <laughs> joue. moi je, je regarde. Il y ouais, ouais. avait le droit d'ENES. À l'époque, un, un an de différence, c c ça comptait comme 40. Ah, ah oui, non, <laughs> je suis d'accord. Ça, moi, ça, ça compte pour une manette pas branchée. Mais beaucoup de joueurs étaient bien. Et donc on était pris dedans et je suivais l'aventure avec lui. Et après, il a violé le jeu 3, 4, 5, 6 fois solo. Ah, quand même, quand même. Ouais. Ben, moi, j ai, j ai, mon intro à ce jeu, c'est euh, d'abord le lore, parce que moi, je commence avec Final Fantasy X, ouais. et je suis émerveillé par ça. Et on m'explique qu'en fait, c'est rien par rapport à, au 7. Et puis, je check le 7 et je suis en mode... Ta cote sur 10 pour le final 10 euh, Un 8. C'est un bon jeu, je trouve. Ouais. Et, euh, et donc, du coup, ouais, euh, moi, je suis émerveillé par ce truc-là. Il y a des personnages qui sont dingues. Voilà, c'était... Euh c'était un truc de dingue et puis en fait on m'explique Final Fantasy VII et je suis en mode ah ok euh, ça a l'air vraiment sympa je vois que des visuels donc ce qu'on peut découvrir notamment ici sur le guide stratégique de l'époque il va plus ramener donc on avait vraiment des le car design était incroyable et en fait euh, c'est euh, en, en recherchant des informations sur ce jeu que je découvre ce que c'est sur PlayStation 1 et je me dis, mais non, c'est pas le jeu, c'est pas les personnages que j'ai vus, ça. Quand je vois les pixels, je suis en mode, c'est pas possible, c'est pas, pas ça, tu vois. <laughs> Donc, moi, c'est rejet complet direct, c'est obligatoire. Et, euh, et mes Adventure Children arrive et, euh, et en fait, moi, malgré ça, j'étais émerveillé par Sephiroth. il faut savoir que moi, j'ai fait de la danse. Et en tant que breaker, je me suis retrouvé plusieurs fois à avoir des shows de break ou des battles de break avec Sephiroth en musique avec des remix breakdance de Sephiroth Sefirot et Mais c'est quoi cette musique incroyable euh... Donc, <laughs> le lore, en fait, pour moi, il a vraiment commencé là. Parce que là, j'ai dit 10 <laughs> mais en réalité, c'était déjà après ça. Et en fait, ça a commencé par découvrir la musique de Sephiroth et, me, et en fait, découvrir aussi mon amour pour les musiques, les OST. Et ouais. me dire, mais la musique de ce personnage est folle. Et en fait, découvrir, chercher après sur YouTube, puisque Internet, voilà, ça venait d'arriver, bazar, chercher sur YouTube tous les remix possibles de, de, de Sephiroth tout télécharger et en fait euh, je dire mais j'ai envie de comprendre C'est sur le lore t'apprends euh, t'apprends sur le lore il c'était c'était fou de découvrir ça Advent children me met la gifle du siècle puisqu'en plus il y avait les musiques comme la musique du Bahamut dans le film qui était dingue enfin ouais. et euh... l'apparition de Sephiroth. l'apparition de ses... le sarashibori dana <inaudible> <laughs> voilà donc voilà c'était incroyable et donc c'est ça qui arrivait et celui qui m'a mis la gifle de encore plus loin c'est Crisis Score. Mm -hmm. donc c'est mon premier final fantasy vii du mm -hmm. lore. quoi je découvre la musique de combat euh, donc, qui en fait pour moi à ce moment-là je pense que c'est une musique que pour Crisis Core, parce que je ne la connais pas. Hein. Et je me dis, et je dis, ouais, mais les gars, vous avez pas entendu la musique de quand il y a les combats et tout, c'est un ouais, truc de... À l'époque, il faut commencer à chercher. À... Que ouais, ouais, quelle allez, musique allez, <laughs> y a Une nouvelle musique Et moi, j'ai pensé que c'était la musique non. de, enfin, de... Crisis Core. C'est ça. Base, et il y a quelqu'un de... de... qui dit, non, de non, non. Mais c'est la version, elle existe dans le jeu. Je dis, non, ce n'est pas possible. Donc là, on repart sur tous les remix possibles sur YouTube. Donc en fait, voilà, c'est ça le début de ces choses-là. Et puis Kingdom Hearts arrive et nous sublime avec un Sephiroth imbattable. Comme boss secret. Euh, secret il ouais. y a un boss secret qui arrive et en fait c'est Sephiroth et que j'ai jamais réussi à battre. D'ailleurs, big up à mon frère Smaïl puisque lui ne pouvait pas jouer à Kingdom Hearts parce que c'est moi qui jouais. Du qui coup, coup, quand j'ai hein. laissé le jeu parce que je l'ai fini, il est parti mmh. faire tous les boss secrets et il a battu Sephiroth. Dans le 1 le 2. J'ai supprimé la sauvegarde du 2. J'ai supprimé la sauvegarde du 2. Oui, juste après, <laughs> je m'embrasse de ma vie de Smaïl et qui se battent parce que c'est pète un câble il lui a supprimé sa sauvegarde alors que pendant tout le combat j'étais en train de supporter ça pour qu'il le batte. la vraie question c'est est-ce que tu as fait exprès non <laughs> gars j'étais en train de le supporter pour qu'il le batte à un point <laughs> c'est un truc de fou ah, il y un... a une double définition au mot supporter <laughs> <laughs> non mais, mais c'est vrai ce que tu dis parce que <laughs> tu oublies jamais on découvre cloud et... d'abord on découvre que cloud tu vois oh ouais. parce qu'il y a des discussions c'est ce gars c'est juste euh... il y avait un message un peu euh, spécial ouais. en mode et il apparaissait la musique et il est comme ça. <laughs> fait, je regardais une et <laughs> je dis c'est qui Steve Je dis c'est qui Steve C'est quoi ce TP je il mange. C'est qui Bah ça C'est qui Et après je découvre que c'est le méchant du coup parce que Claude le cherche. Oh, c'est pour ça qu'il le développe dans le 2 un peu euh, comme une, une qu quête secondaire mais ouais. en mode il y a des dialogues et tout mec. C'est pour ça que Sephiroth pour moi reste le méchant ultime tout jeu vidéo confondu. C'est le plus grand parce antagoniste que ouais, parce que à tout niveau, en fait là comme moi je... Mon amour pour Final Fantasy XVII arrive parce qu'en fait, ce mec arrive à sa propre musique, à, sa propre, à son propre design. Il y a l'antagoniste qui a sa musique où on entend même son nom dedans Il n'y a personne, non Je n'ai pas pour souvenir euh, ça. Il on... part dans le dernier film Broly où là, on entend souvent euh, dans les trucs, sinon, oui, euh... mais Mais surtout, ça aussi. Amener mon amour. C'est Ça a amené mon amour. Pour moi, ça a amené mon amour aussi pour euh, beaucoup plus tard pour Bleach, puisque les grosses épées, les, euh, les designs Il pourrait être dans extrêmement Bleach. charismatiques. C'est ah, oui. la... que... Buster, déjà... déjà... Buster Sword, hein, c'est ça. Celle, hein. de celle de Cloud. Bah, celle de Cloud, c'est l'épée de Ichigo au début. La première. C'est ouais. la même. C est c est tout vrai. ce qui est grosse épée, personnage charismatique, c'est du design Nomura. Ouais. Bleach, c'est du design Nomura. Donc, tout mon amour pour le visuel et l'esthétique me vient de, de, de là quoi ouais. mais donc voilà c'était un peu c'était assez long mais c'est une mais bonne manière de là, pouvoir est expliquer ce qui est le, très beau le sujet c'est ouais. normal en mais donc du coup on arrive on arrive aujourd'hui à, à, à voilà il y a des jeux qui sont passés il y a le remake qui est passé juste pour euh, euh, rapide euh, le sentiment qu'on a eu avec remake euh, et après on passe directement à Rebirth, parce qu'on est surtout là pour parler de Rebirth. donc mm -hmm. pour toi c'était quoi euh, Tu as fini ce jeu avec quel sentiment euh, ben déjà il y avait une satisfaction de vraiment maintenant, j'étais très intéressé par donc par le lore de Final Fantasy et là je pouvais enfin dire euh... déjà c'était mon premier Final Fantasy donc du coup je pouvais dire je fais partie Fantasy, de la communauté je fais partie de, de la secte de tu vois <laughs> donc là c'est vraiment j'avais ce sentiment là j'avais euh... ouais je j'étais super satisfait parce qu'en fait c'était c'était super addictif d'avancer il ouais. y avait un truc qui me dérangeait dans le jeu par contre c'était que chaque ennemi avait la, du la durée d'un boss c'était trop ouais. long ça c'était un vrai problème mais ouais, euh, les sacs APV ouais, ouais, euh... c'était pas possible, c'était super long. Ouais. Non, Chaque jour au euh... même jeu. Hein. Non, ouais. lui, <laughs> lui, 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 il, mais... lui, il finit les, <laughs> les jeux en 25 heures. Hein. Ah non, <laughs> non, 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 mais mais non mais moi non, aussi je, je finis <laughs> très vite, hein, tu vois. Bah, bah c'est ce que ouais. tu, ouais. tu, mais, en fait, bah, tu me y y y disais. tu me disais que moi j'étais comme lui par rapport à ça. Non, pas contre les boss. parfois, je parle avec lui, il me dit, et moi j'ai envie de dire que j'arrivais pas à battre ce boss où je suis mort quatre fois. Je vois que le gars il a surfé dessus. Je ne vais rien dire. C'est pas lié au boss, c'est qu'un bête monstre. Ouais. Mettre tant de temps, temps, temps ah ouais. c'est. Comparé aux autres jeux que j'ai fait on va dire. Ah ouais, c'est plus dans, dans ce, dans ce sens-là, tu vois. Sûr. Et euh, ouais, ça. C'est aussi... pas super bien équilibré. Mmh. Oui, voilà. Et aussi, j'ai un peu ce truc de. Tu sais, quand t'as un, un, un méchant qui est très stylé, au fond de toi, t'aimerais bien un peu qu'il devienne gentil. Mmh. Tu vois Donc, moi, j'ai moi les, les phrases un peu à la fin de Zephyrus qui dit un peu à Claude euh, qu'il a besoin de son aide, d'ailleurs, on en reparlera plus mmh. tard. Euh, D'une nouvelle théorie, euh, mmh. d'ailleurs, tu l'écouteras. Parce que j'adore ça, les théories. <laughs> et, euh, et donc, du coup, ouais, voilà. j'étais un peu ce truc-là. De... Enfin, J'ai envie de découvrir. Le gars, il nous dit de, 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 quand même de l'aider. Est-ce qu'il n'y a pas un truc Est-ce qu'il y a aussi quelque chose enfin, On en reparlera aussi plus tard, mais pour moi, euh, l'antagoniste, nice, ce sera stop, autre chose. J'aime juste... <laughs> bien l'envie. Ouais, ouais, il, euh, euh, il, ouais, ouais, il, il est il chaud. Il est chaud. Il est chaud. On va <laughs> pas voilà, c'est ça. Mon sentiment à la fin de remake, il était extraordinaire. Et j'étais j'avais une envie de partager ça avec le monde parce qu'il y avait beaucoup de gens qui avaient pas compris et du coup, il y avait mais bon on est à l'époque des, 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 des opinions dans tous les sens et avec internet c'est compliqué mais en fait j'étais juste ravi que ce soit pas juste un remake j'étais ravi qu'on n'allait pas juste qu'on n'allait pas ou sublimer ou entacher l'original qu'on avait quelque chose de nouveau mais qui avait assez de l'original que pour pouvoir se dire merci parce que quand il nous sortent je pense en 2016, à la. À la. À, à, à l'E3, à, à le à le, à le les pas, là, quand. Euh, Cla bouge, pas, tu vois, ouais. les pieds. Moi, j'allais pleurer. J'allais pleurer, chambre. frère, c'était n'importe quoi, parce que pour nous, il n'y a pas de mots. Mmh. Pour nous, ça n'avait pas de sens, parce qu'on l'a demandé. Tu vois, on fait vraiment mmh. partie de ceux qui ont joué à l'original, à 11 ans, mmh. à 12 ans. Tu l'as tiré peut-être jusqu'à 16 ans, parce que tu l'as fini 3, 4, 5, 6 fois. Tu as vécu les autres, tous bons. Le 8. Le 8, les gars, c'est une dinguerie. On va pas en parler, mais c'est une dinguerie. Mmh. Mais le 7, tu vois, tu as, as ce truc de Ah, vous avez réussi à faire un aussi bon jeu que le 7. Et donc, tu es en mode, faut faire mieux. Et puis, le 9, heureusement, c'est dans un monde qui est, qui est différent. Mmh. Tu arrives au 10, on est sur une autre console. C'est un bon jeu, mais là, on s'éloigne. Mmh. Et à partir de là, c'est la déchéance. Tu vois. Donc, l'attente de pouvoir refaire un, un, un Final Fantasy, elle était. Elle était incroyable. Et donc quand je termine le jeu, je vois tellement de choses. Et je vois ce type qui n'a pas le temps parce qu'il a une famille, des enfants et tout. Il est passé au travers d'informations. Je dis, mais t'es fou Il y a ça, il y a ça, il y, y a ça, il me fait. Ah ouais Donc ouais, j'étais triste parce qu'on a vécu tellement de jeux dans notre enfance ensemble. Et maintenant, les ah, gens n'ont plus le temps de... C'est des jeux, il faut les vivre ensemble. Regarde, mm -hmm. on est là assis, on va parler de plein de choses. Et tu le vis seul et il y a un raté. Il mm -hmm. y a un raté dans l'expérience que c'est comme un beau film, c'est comme une belle histoire et tu la vis pas avec les gens c'est un peu triste mais donc j'étais heureux de ouf avec une petite tristesse ok et toi la fin de remake que moi j'étais assez partagé j'ai trouvé que c'était un super bon film visuellement euh, j'étais super content parce que la qualité était là on l'avait demandé comme il l'a dit mais si je me penche du côté jeu vidéo uniquement gameplay je me suis ennuyé pendant toute l'histoire en fait mm. à aucun moment ah. je me suis senti revivre une expérience meilleure que celle que j'avais déjà vécue avant, mmh. euh, ne serait-ce que du système de matériel qu'on peut, euh, mmh. éta... enfin qu'on peut discuter en profondeur, va détruire. <rire> 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 ne serait-ce que celui-là. <coughs> dans l'original, euh, ça donnait l'impression d'être intelligent ouais. parce que tu allais créer des combinaisons de matériel et tu allais essayer des choses. Dans remake, mmh. tout est limité. Mmh. J'imagine pour des points de vue graphiques, mmh. mais ça gâche un peu l'expérience du jeu mmh. pour mmh. ceux pense et vous on n'aura pas la réponse mais je pense pas que c'est des problèmes graphiques ah non pas du tout je pense qu'on est à une époque qui a déjà non, non, mais quand, quand je pense... dis problèmes graphique ça, ça veut vie. dire euh, lorsque tu crées une matériel à feu et que tu aussi à une matière à bleu pour euh, ajouter un élément visuel de feu ouais. si tu dois le faire pour toutes les matières existantes ouais. d'un point de vue graphique c'est plus coûteux parce ah, ouais, ça, avoir... ok ça je comprends ça ça a tout son sens tout adapté ouais. en fait ouais, ouais. Mmh. et pour ne pas avoir énormément de boulot à faire, je pense qu'ils ont limité. Bon, on va faire feu, glace, foudre, je... comme ça, les gens, les gens sont contents. Vu le temps qu'ils nous ont fait attendre, <laughs> je me dis, c'était peut-être pas le seul problème, mais probablement un des problèmes. Et je pense qu'un des problèmes majeurs, c'est l'air oui, oui, vidéo oui, a oui, changé. Et aussi, nous, à l'époque, le jeu, il sortait. Et ça, tu pouvais pas l'acheter ni directement, ni partout. Donc, les gens devaient se débrouiller et avoir donc un sentiment d'intelligence pour débloquer des choses. Aujourd'hui, le jeu a à peine commencé deux heures plus tard. Un gars qui te fait une analyse du jeu et qui te dit le meilleur build pour ouais, Cloud. C'est vrai. Le meilleur build pour Cloud, début du jeu, milieu du jeu, fin du jeu. Ouais, C'est un... un truc de fou. <laughs> C'est un truc de fou parce qu'on est arrivé à une ère du cheat en fait. Mm. Tout le monde est fainéant. Personne veut prendre le temps de. Tout le monde se spoil. Tout le monde a peur du spoil. Et je pense que, étant conscient de ça, le temps que tu pouvais mettre à l'époque dans un jeu en te disant ça va être un banger parce que les gens vont être bloqués avec le jeu. Aujourd'hui, ils ne peuvent plus compter sur cet élément-là. Ils savent que les, jeux, le, les efforts qu'ils vont mettre pour, pour te mettre quelque chose un peu spécial, ils vont être directement détruits par du raccourci. Mmh. Et du coup, ça ne va pas faire autant de ventes. Et donc, il y a une, oh, là, juste y a une aussi, perte à ce ouais, niveau-là. Je, je pense comme, consciemment, c'est juste plus possible de proposer juste le jeu ultime. Et c'est triste. C'est comme dans tout, de toute manière. C'est comme dans tout. Aujourd'hui, on est dans une régression de, du, de, de ce qu'on donne au public. On pense que le public est est trop con pour faire certaines choses. C'est comme pour la musique qui est de, est de moins en moins intéressante. Les jeux vidéo, il y a... En fait, il y a aussi des, des, des grosses sociétés qui prennent ça et qui sont en mode « Ouais, mais en fait, il faut juste que ça vende. Voilà. Qu on s'en bat les steaks, tu vois. Voilà. » donc Il est là, le truc. C'est qu'il y a toute cette généralité... Est trop qui trop dommage. Surtout, c'est Square Enix. Que... En ouais. plus, on a même de la chance d'avoir un jeu potable, tu vois. <rire> donc... <rire> bah, à ce niveau-là, niveau ouais. <laughs> je me dis, autant faire directement un bon film. Ah on ouais, apprécié, on ah le regarde vois. en famille, on, 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 on le vit ensemble plutôt que d'un jeu qu'on l'a tout joué dans notre coin. Mm. Mais c'est pas vraiment un jeu techniquement, c'est okay. euh, un beau film en fait. Ouais, je comprends. Pour, pour ma part, moi j'étais agréablement surpris euh, tout simplement parce que euh, ça encore une fois comme tu vous vous avez, vous avez fait la première version, nous ça nous permet de la faire alors que c'était plus possible pour nous en tout cas. Il est toujours. non mais c'est très difficile. C'est impossible. C'est très compliqué. Non non c'est impossible. Vraiment c'est impossible. Ça ressemble à rien. Moi je l'ai refait deux fois. Mais c'est la nostalgie qui me fait ça. J'ai fait à l'époque. Pas a des jeux que je fais aujourd'hui que. Comme les films. On ne peut pas le. Comme les films. C'est normal. Je suis plus focalisé que sur l'histoire. C'est comme quand on dit aux gens de découvrir Kingdom Hearts, on leur dit que le 1, c'est impossible à faire. Le même moi je vous dis c'est mort. Le 2, il est intemporel. Mais le, mais le. Et le 3 bah, non, oh là, est mon le fond. Fond. non, mais parce que il, est, il est gratuit sur mon truc. Mais est-ce mais... que je peux commencer avec le 3 non non. non, non, Moi, je l'ai fait deux Je peux fois, pas regarder ouais. une vidéo qui explique le et 1 et jouer le 2. 1. Ah, c'est difficile. Si tu peux, mais, mais l'expérience. C'est pas, pas l'histoire le plus importante. Après, ça non, dépend. Non. Fait, non, non. En fait, ce serait intéressant. J'ai vécu, vécu le il 1 faut... avec toi. C'est pas l'histoire le plus importante. Il faut le jouer. Il faut le jouer. Attends, laisse-moi finir. J'ai vécu au moins 30 heures du 1 à côté de toi à regarder et en mode c'est dead. Plutôt qui se bat. C'est mort. Donald qui est en mode high. Il a dit plus tôt qu'il se bat. Le gars, il a aucun respect <laughs> sur Dingo, qui est un chien <laughs> sur deux pieds. Ah bon? Donc. Mais quand t'es dans la merde avec Dingo, ils fonce avec un bouclier, il ah, bah, le truc, Voilà. Hein, donc, bon, déjà, on vous m'avez perdu. Ah, oh. C'est ça, quand j'entendais ce Donald <laughs> faire des trucs, et lui me disait, c'est trop high, Charmander. Non, on parle Mon pas, cousin on parle pas, on parle, <laughs> c est fou. C'est ce on qui a fait de, de base, histoire. je ne voulais pas, moi. On parle pas de l'histoire, on parle du gameplay. Et je me souviens, c'est ce qu'il me disait. Il me disait, le gameplay est incroyable. Moi, j'étais. Bon, les gars, on a en train Juste pour Tarek. <laughs> j'étais ce que Tarek déteste, ce, ce vieux croulant, croulant qui ne veut pas laisser passer le passé. Je voulais mon RPG et lui, il était dans ouais. le futur. Voilà. Et je comprends. Mais je voyais le truc et ce n'était pas agréable pour moi. Hein. C'est ouais, comme si je ne voulais pas lâcher. Aujourd'hui, on joue à Final qui, Fantasy. C'est qui pour moi qui fait que vraiment tu... Ouais. Moi, mais... par exemple, hein, j'ai regardé mon frère le faire. Moi, j'y ai joué, mais je n'ai jamais vraiment fini le 1 parce que j'étais mm. jeune. Donc, c'est surtout, j'ai vu mes frères le faire. Par contre, le 2, là, c'est autre chose. Ah, là, oui. ouais, mais j'ai à dire vois. une chose, c'est que je comprends ça, mais qu'aujourd'hui, si on a ça, ou on a ça, c'est aussi une évolution de ce gameplay-là. Je suis d'accord, et lui-même me l'a toujours dit. Voilà, c'est du Kingdom Hearts, tu vois. C'est C'est Kingdom Hearts mélangé à, à, à autre chose, mais enfin, Final Fantasy XVI, on est sur Kingdom Hearts mélangé à Devil May Cry. Le gameplay, voilà. bah, est vraiment pris les Ici, deux. Ici, on est sur un, sur un peu le. On est sur, est, voilà, c'est une évolution de, de ça. Mais donc, du coup, euh, moi, par exemple, pour la, le côté pour lequel j'étais déçu. Pour moi, dans le, dans le remake, et ça continue sur le Rebirth, c'est juste, je veux du tour par tour. Mmh. Je veux du tour par tour. Je, le plaisir que j'ai à jouer à un Dragon Quest, c'est encore faire du tour par tour, de réfléchir à euh, à la, à, à la 13 fois, il fait telle attaque, je le sais, et mais donc il faut que par, je prépare ça. C'est un parti pris. Oui, c'est un parti pris, mais mmh. c'est aussi, encore une fois, c'est toute cette histoire de le tour par tour ne vendra pas autant que le reste. Et c'est voilà. surtout pour ça. C'est ça. Moi, c'est voilà. plus partout un genre. Des jeux en fait, voilà. moi, le tour par tour, tour genre, toi et moi, plus. on y joue, eux, ils y jouent pas. Papa. Sur mobile, j'y joue encore du tout. Ouais, tour merci. Plus. On parle <laughs> de jeux. Mais c'est vrai, mais. Les gars, on parle de la PlayStation. Le tour par tour, c'est devenu hein. pour les jeux mobiles. PlayStation. Tour par toi et moi, on joue, eux, ils jouent pas. Non, non, bien sûr, bien sûr. C'est un parti pris. Mais là, par exemple, c'est ça, mon sentiment. Et on en discutera pour Ebert et la place d'Iris là-dedans et pourquoi, pour moi, c'est pas possible dans ce gameplay-là. Mais soit. Voilà, juste pour dire qu'en tout cas. Ce jeu-là m'a agréablement surpris, surtout la tournure de, de avec les fillers, etc. J'ai trouvé ça, euh, j'ai trouvé que c'était une belle manière de nous donner quelque chose tout en nous le donnant pas. Ouais. Euh, mais donc oui, en film ça aurait été top. Mais le fait de l'avoir vécu quand même en gameplay, ça a fait, ça m'a impliqué réellement là-dedans, en fait. parce que j'aurais été euh, après une heure et demie ou peu importe, j'aurais été un peu deg de dans, dans la... de pas en avoir assez. Et en fait, euh, c'est un jeu quand même qui qui euh qui récompense bien la recherche encore, aujourd'hui, très peu avant, mais de ce truc de si je vais à gauche, je sais que c'est là-bas que je dois aller, mais je vais aller à gauche et je vais avoir un petit peu de, de choses à manger à gauche, un peu à droite. Là, il y a des jeux, des fois, ils me font des chemins, j'y vais, il n'y a rien, y a ni rien. coffre, <laughs> ni rien, tu vois. Mmh. Là, au moins, tu me donnes un tout petit peu. Et là, tu avais une deuxième surprise ça. dans Final Fantasy VII. Avais, tu avais un objet et tu avais euh, un, un, une texture mal faite. Ah oui, ça c'est oui, ça. Ça c'est dans, dans Rebirth. Moi ce que j'adore, et juste pour clôturer ce, ce, ce chapitre, vous, tout le monde y jouait. Putain, c'est quoi les textures et tout Yves qui joue. Là, 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 là. Je vois Gare, rien. Macquart vu... qui m'appelle. C'est dégueulasse et tout. Gare, quand je, je vois vu, rien. Quand j'ai vu un bloc <laughs> en polygone sur une montagne bien faite, là, j'étais choqué. À cause de vous je commençais à me concentrer. Ah, ah c'est ça qu'ils veulent dire. C'est Firot Cloud sur la lune ou je sais plus c'était sur quoi, là, où t'as la galaxie autour. Sur même Paint. Le... Euh, même, non, même bon. Midgar, où, quand tu regardes ouais, en les... haut Mais les dans Rebirth, là, est... on est bon. Euh, pas au maximum, mais est bon, est on bon, est bon. mieux. Mais on, on, est pas, mieux, pas, on, on a fait juste... gros voilà, grosse review, oui, bien sûr. Remake, là, est... Un plus et tout, est normal, remake on est genre. sur ça. Rebirth arrive. Et du coup, euh... <coughs> on va rentrer dans, dans le vif du sujet. ça à mais d'ailleurs, <laughs> ce serait sympa de savoir où on en est où à peu près. Parfait! Incroyable. Donc, 30 minutes pour installer la chose, 30 minutes pour en parler. Ce qu'on va faire, c'est que je propose qu'on commence par les points positifs, puis ensuite les points négatifs qui vont sûrement prendre plus de place. Et puis j'ai préparé quelques informations qui sont disponibles dans l'Ultimania, disponibles au Japon, qui ont été traduites et qui peuvent un peu étayer un peu la conversation sur des informations qu'on a vues dans le jeu et voilà, qui sont différentes. Et puis tout ce qui est lié à P Before Crisis et euh, nos théories. Commençons par les points positifs. Euh, donc je vais juste commencer euh, la partie rebirth donc, sur ça. Pour moi, le positif, c'est euh, d'avoir réussi un jeu <laughs> pour Square Enix. Je le dis parce que, même si euh, il voilà, y, y a plein d'autres choses, mais Square Enix me déçoit depuis, depuis un bon moment. Hein, voilà. euh, que ce soit sur euh, Kingdom Hearts 3, que ce soit sur, euh, sur Avengers, 15. Final Fantasy XV. Pour la plupart du temps, c'est mal géré, c'est catastrophique. Gardien de la Galaxie, c'était eux Ouais, c'était Scorenex. Ah, mais c'était le studio Eidos, je crois. Ouais, ouais voilà, c'est pour ce ça. Bon ça. Est mais le reste. Catastrophe. Ouais. Et là, pour une fois, je me disais, mais les gars, c'est quelle équipe ça Ils sont dans quelle cave, ces gens-là Et ils ont dit, personne rentre, on fait ce qu'on a envie de faire. Donc, c'était un bon jeu. C'était un très bon jeu, en fait. Mmh. J'ai passé plus de 100 heures, 150 heures, je pense, sur le jeu, à me dire, c'est un truc de fou. Je voulais tout savoir, faire toutes les quêtes, avoir tous les objets. Même quand j'étais avec dans, dans Gilgamesh et que je me pas je C'est un, un, hein. un collectionneur, ouais, C'est un mais collectionneur. Oui, mais j'avais perdu ça dans les jeux et de l'envie d'aller faire certaines quêtes secondaires parce que j'étais déçu, en fait. Ouais. Et là, je voulais tout savoir. Mmh. Gilgamesh, bon, je n'ai pas terminé parce ouais. que j'étais en mode euh, gars, tu déconnes. <laughs> mais euh, je voulais vraiment tout faire. Donc, j'ai été positivement surpris. Et, euh, et voilà, pour moi, voilà, si après on peut avoir ouais. les détails, mais c'est surtout dans l'aspect général, j'ai mmh. kiffé. Et je me retrouvais, ça faisait longtemps que je jouais pas jusqu'à 4h ou 5h du matin en fait, à me dire, euh, j'en ai rien à cirer, demain je serai mort. Mais on va taper 4h à 5h. Ça c'est l'aspect général en tout cas. Euh, moi, un des points positifs, il mmh. y en a plein. Euh, je me souviens plus à 100% du système dans Remake, alors que j'y jouais juste avant que l'autre arrive. Euh, mais je sais que j'ai été directement déçu des remaniements, de... des améliorations, mais soit, mmh. pas pour parler de négatif. Je, je fais un tremplin là-dessus pour dire que ce qui m'a vraiment fait du bien, c'est les fusions d'éléments, mm. parce que comme beaucoup de choses me manquent de l'original, on va pas parler des choses mm. qui déplaisent, eh ben ça, c'était quelque chose où je trouvais encore du plaisir. C'était aller trouver certains objets pour pouvoir les fusionner et débloquer des choses. Je pense qu'ils auraient même pu aller un peu plus loin avec des choses qui servent peut-être encore plus, parce que forcément, on ne fait pas trop l'usage des objets ou assez l'usage des mm. objets où ils sont pas assez intéressants en combat et hors combat. Euh, c'est juste ça le bémol. Heureusement, tout ce qui est accessoire, c'est intéressant. Donc euh, cette partie-là, je trouve que ça a été bien géré et que au moins il y avait ce côté ludique, intelligence peut-être pas, mais au moins exploration plus euh, euh, unboxing. quoi. Tu mettais deux mmh. trucs ensemble et tu avais quelque chose de nouveau et puis tu avais le visuel et je trouvais ça sympa. Donc pour un des points positifs, je trouve que ça, c'était cool. Euh, moi, les points positifs, euh, ben, déjà, du coup, euh, moi, déjà, j'ai un, un autre gameplay. Ça veut dire, moi, je fonce l'histoire principale principal, d'accord. Mais oui, ça vrai tu fais aucune quête annexe. Euh, moi, quasiment. je fais pas les quêtes annexes. Euh, moi, parce que j'ai le problème, c'est que je suis quelqu'un d'impatient, donc du coup, j'ai absolument envie de voir. J'ai ouais, besoin de réponse. Voilà. tu ouais. vois. Et surtout qu'il y a des choses que je n'avais pas captées dans le remake, où il y avait déjà des réponses. Moi, j'ai besoin de réponse. Tu vois ce que je veux dire Donc, euh, moi, je fonce ça, vraiment en mode quête principale. Euh, et puis, Final Fantasy, j'aime beaucoup euh, le lore, j'aime beaucoup les personnages, mais c'est pas le genre de jeu où, où j'aime bien aller tout faire. Tu vois ce que je veux dire Donc, euh, donc, euh, voilà, les aspects positifs. Euh... Le gameplay aussi qui a, qui a quand même un peu changé, d'accord Après, moi, le problème, c'est que je venais aussi de finir Final Fantasy XVI. Le problème, c'est que Final Fantasy XVI, en termes de gameplay, euh, c'était euh, très fort, tu vois. Mm. En termes de combat de boss, comme tu as dit là tout à l'heure, on on ils ont dit, on va prendre ceux qui s'occupaient des combats dans Devil May Cry 3 et Kingdom Hearts 2. Moi, tu me dis ça, je euh, <laughs> suis en mode ouais, c'est ça, n'importe quoi. <laughs> et au final, j'ai vu que c'était vraiment eux qui avaient fusionné, gars... Tu as joué c'est voilà le, le, on a, on va pas non, aller non. dans les détails mais ce jeu a mille défauts mm. mais les mais le gameplay des boss les musiques c'est ouf et moi ce qui ce que j'ai aimé du coup c'est que du coup quand maintenant je vois les invocations dans Rebirth chaque invocation pour moi une identité par rapport au jeu Final Fantasy XVI, parce que chaque personnage est une invocation en fait dans mm. Final donc euh, voilà le truc qui était compliqué c'était de repasser un jeu où tu peux pas sauter j'en parlais là tout à l'heure moi j'ai du mal avec ça, donc ça a été difficile pour moi de repartir sur le Rebirth parce que le remake je l'avais fait déjà depuis, euh, depuis deux ans. Mais ah, est-ce qu'ils euh... t'ont un peu séduit avec leur euh, <coughs> la capacité un peu grimper Donc pas d'avoir le bouton sauter, mais de pouvoir aller dans des zones que normalement tu es bloqué dans. Ah oui, oui, ouais. mais non, ça ça a été amélioré de fou même. D'ailleurs, tu pouvais passer au-dessus ouais. des barrières, ouais. tu ne devais plus passer par l'endroit où il y a la flèche euh, forcément. Donc c'était ouais, bien. Putain. Moi, je, quand je parle de sauter, <laughs> je, parle de, je parle de quand tu te bats contre un boss, j'aime bien sauter. Tu vois ouais. ce que je veux dire Mais pas dans. Quand tu explores, si c'est bien fait, là, c'était ultra ça, bien. J'aime la aussi... roulade, mon frère. Ah J'adore la roulade, mais j'aime les deux, c'est ça, ça le fait, problème. c'est le côté impatient qu'on a, c'est ce truc-là de tu cours quelque part et courir n'est plus assez, donc on va sauter en attendant, euh, de, parce arriver, que ouais. l'impression d'aller un peu plus chose, vite. Ah faire non, mais chose, plus, moi, j'aime plus ça parce que je trouve ah que moi, graphiquement, c'est tellement beau aujourd'hui. Par exemple, les plaines, c'était beau, même s'il y a des aspects négatifs, mais ça, j'en parlerai après quand ce sera sur négatif. Mais moi, j'estime que vu que je vis quelque chose, une aventure un peu. Réalise dans le graphisme, eh ben, du coup, je peux pas commencer ouais, à sauter comme un fou. Avoir, tu vois. Ouais. Et c'est pour ça que moi, quand je dis je fonce la quête principale, ça rejoint aussi ce que tu as dit là tout à l'heure. Tu as dit que du coup, un bon film, c'était bon. Mais moi, les jeux d'aventure, je les vis aussi comme des films. Mmh. tu vois. Donc, du coup, moi, c'est pour ça que la quête principale me suffit. C'est parce que je suis en train de vivre un, un film, sauf que dans les films, tu n'as pas le temps de, de, de développer les personnages autant qu'un jeu vidéo. Donc, donc, en fait, moi, pour moi, les jeux vidéo comme ça, c'est comme si tu avais un film en amélioré. tu vois ce que je veux dire. Mmh. Une série un peu, tu vois. Ouais. Mais voilà, c'est moi j'ai kiffé bah Du coup, c'est exactement ce qu'il dit, parce que si tu es focalisé sur la quête principale, ben bah, tu fais le film. Ouais, ouais. C'est très et beau. En fait. voilà. Et si tu fais plus que la quête principale, bah, tu fais le jeu, et du coup, tu, tu te très retrouves très là. Bon. Ouais. Et ouais. donc, pour toi, il y a des points positifs, du jeu Oui, oui, il y a des points positifs. Euh, au niveau des musiques, franchement, elles ouais. sont remarquables. Ouais. À tout niveau, euh, allez, par exemple le thème euh... <laughs> quand on est euh, je sais plus la, la ville avec euh, l'armée militaire. Ah, Junon. 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 Oh là là mm. là, là là. Moi j'attendais ce moment avec impatience et quand j'ai entendu la musique j'étais oh, c'est magnifique. Là. <laughs> Cosmo Canyon Aussi. Oh, moi pour... je la connaissais voilà, déjà, Je pense que Cosmo pour nous Canyon. Cosmo Canyon on l'a tellement roulé. <laughs> lui il a, a, a joué, j'allais chez lui, il me fait écoute frère. <laughs> c'était <Parce C> <laughs> mon petit cousin, aujourd'hui c'est un homme, mais c'est <laughs> mon petit cousin. Écoute, écoute, écoute <laughs> <laughs> non, parce que, parce que moi, on m'a dit, il y a une musique, vu que j'ai pas fait l'original, ah ouais. on m'a dit, il y a une musique, elle est incroyable, et ils l'ont fait d'une manière épique. Ah ouais. euh, euh, apparemment, c'est fou. Et moi, j'écoute Cosmo Canyon, et je dis derrière, et eh, cette musique, elle est stylée. Et mon pote, il me dit, mais c'est ça, en fait, la musique que je t'avais dit. mais Tu vois, même ah ouais. comme ça, ben, au final, c'est la même chose. Il y a des musiques magnifiques dans le jeu, j'ai ah ouais. vraiment apprécié. Et même les musiques de Adventure Children qu'ils ont remis dans le jeu, oui, je ouais, ouais, ils la chantent à un moment dans la grotte à. Euh... Je crois que c'est à... à Cosmo Canyon. Ouais, quand ils vont chez les... tu entends des gens qui le chantent, mm -hmm. euh, et tu les vois, il y a une chorale ouais. qui est là. Tu l'avais oh, déjà euh, dans le remake. Je suis hein. resté, resté ouais, pendant 20 minutes. Assez, moi <rire> <aussi>. <rire> dans, au, au, <laughs> au début du remake, <laughs> quand tu es dans la ville et que tu essaies de suivre Sephiroth, tu ouais. As, ouais. as déjà la musique de oh, ouais. Children. Oh, ouais. ah, ouais. ouais. Moi, j'ai kiffé, dans les derniers temples, ils mixaient toutes les musiques. Il y avait même Canyon Cosmos. Et tu te demandes, qu'est-ce qui se passe ici Et le moment épique pour moi, c'était, t'avais, avais ces projections des anciens, là. Et tu pouvais oui. marcher. Ouais. Mais tu voulais les regarder Tout et tu oui, ouais, marcher, ouais, ouais. Mais... Et entendais <laughs> la musique. Là, un... j'ai eu un moment de brain freeze ouais. où j'étais en mode je... je sais pas ce que je dois faire. Ouais. Je suis trop dans le moment. <laughs> ouais. ah, c'est vrai, mais musicalement, c'est fou que ce soit le thème de Sephiroth qu'on entend à des moments, là, la version qu'ils ont mis, qu'on a au début dans la musique principale où on a Iris avec les fleurs et que tu entends déjà les... les paroles incroyables. La musique de combat. Pour le nombre de versions qu'ils ont mis dedans, ouais. c'est avec... oh, trop, c'est <laughs> musicalement ouais. c'est une gifle. Ça veut dire que euh, remake, j'avais aimé quelques musiques. Mais Rebirth, c'est celui dont je veux avoir... Euh, mmh. C'est bon, beaucoup quoi. plus abouti, sans ouais. hein. ah, oui, oui, rien à voir C'est fou, en fait. Musicalement, ils sont vraiment... Euh... C'est là que tu dis que le remake, ils ne sont, sont pas, pas autant cassés la tête que ça. Voilà, en fait. ouais, c'est ça, ça. Mais, après, bon, Mais je pense fois, que c'était anticipatif. Et ouais. c'est normal aussi par rapport au, au... Quand tu passes à d'autres CD à l'époque, ouais. tu as ouais. plus de... Ouais. de... Et, et, plus grand, et je crois honnêtement que c'était aussi anticipatif avec une idée de... Vous allez vivre une expérience qui va être crescendo, Progressive, progressive. Progressive et de meilleur de jeu en jeu. Je pense vraiment qu'ils ont réservé le meilleur pour Reborn. Et je trouve a euh, un des points positifs aussi, pour moi, c'est euh, la narration. Pour moi, la manière dont ils ont raconté l'histoire. Et euh, même si, euh, bon, on en parlera après, il y a quelques, quelques points. <laughs> on est en mode... Oui, oui, ouais, merci. Mais, euh, mais je trouvais, euh, en fait, j'étais... Je suis investi dans l'histoire, en fait. Euh, mais encore une fois, je dis la narration, mais pas que pour l'histoire principale. La narration des quêtes secondaires. Pas toutes, mais on avait... Où j'étais vraiment mode, mais c'est encore mieux que l'histoire. Mmh. J'en ai rien à cirer. Je veux aller voir ce, ce truc-là. Mmh. Pour moi, toute l'installation de Gilgamesh, par exemple. Mais t'as fait euh, le roi des pirates. J'ai pas encore fait, non. Pas tu m'as dit qu'il n'avait même pas vu le coffre. Tu l'as vu ou pas pour finir J'ai pas encore été, j'ai pas encore été voir. J'ai vu l'île, j'ai en fait, vu, j'ai ramassé les objets dans l'eau. En fait, ce qui veut dire, c'est qu'à un moment donné, tu arrives oh, avec oh, le Bronco sais, m et vous avez une discussion et le coffre il est là. Oh, ouais. Et en fait, t'as sûrement zappé le coffre. Ouais, voilà. et Il ramassé une histoire. Les... Les... Et ouais, C'est par rapport à One Piece qui fait ça. C'est Nanaki qui lit, tu vois. Et Donc, c'est une ref à One Piece. Et en fait, moi, comment j'ai découvert, c'est en prenant dans l'eau les coffres avec des morceaux de trucs du roi des pirates et en mode. Imagine Et en fait, euh, voilà... T'as raté euh, le coffre euh, qui la mère qui se dit, attends, quoi Toi aussi, tu l'as raté <laughs> il pas Non, fait. moi, je n'ai pas fait, parce que... Il euh, fait comme euh, toi. Hein. J'ai ah, fait okay, les donc. jeux, j'ai fait... Euh... Ah, mais moi, je n'ai pas fait non plus, hein, mais quand je suis sorti du, du truc, oui, j'ai vu le, as le vu, coffre ouais. à droite... Ouais. Je, ouais. je T'as as fait quoi. directement Ouais moi, j'ai fait directement, mais voilà, je n'ai pas passé le temps à essayer de... Les... J'en ai fait quelques-unes, mais j'avais pas énormément de temps pour jouer. En fait, au début, il était chaud, et puis après, il a vu ce que c'était, et il a dit... Mmh. Laissez-moi finir ce Je l'ai fait une fois, deux fois, trois fois, puis après cinq fois, je fais bon, c'est ah toujours la je même chose. Je sais, sais pourquoi, mais on parlera de, de ce personnage. Ben, musicalement, après. <laughs> musicalement ouais, par exemple, Gilgamesh, la musique de Gilgamesh, qui est là depuis Final Fantasy 2 ou 3 peut-être. Je sais plus. Je pas dire depuis. Soit Gilgamesh qui revient dans tous les jeux, et chaque fois dans les jeux, sa musique, elle est différente. L'une des meilleures versions, c'est 13, 2 et 15. Et là encore, je suis en mode, mais c'est trop stylé. La manière dont il nous ramener en plus, Gilgamesh à la voix de Zoro en japonais. Mmh. <laughs> et, euh, et tout ce truc avec l'île qui apparaît, qui normalement dans Final Fantasy VII l'original, c'est l'île où il y a les gobelins. Il y a l'île des gobelins, le gobelin qu'on voit d'ailleurs dans la quête des pampas, ouais. euh, c'est l'île dans laquelle ils sont et ils ont décidé de mettre Gilgamesh euh, du coup dans cette île-là. Et je trouve qu'avoir un, une île à part. Où tu dois arriver d'une autre manière. Et en fait, c'est une île à lui. Elle apparaît d'une certaine ouais, manière. Ouais. Ouais. Il y a un chemin qui se débloque et tout. Ouais, et quand du... arrives c est c est monde, tu arrives là-bas, c'est un autre monde. Oui, ça. oui. Non, <laughs> non là, du là après, <laughs> je sais pourquoi. C'est très, là, pas ja très <laughs> japonais traditionnel ouais, aussi. Oui, c'est ça, c'est ça. Et puis, c'est la nuit. Tout le jeu se passe dans le jour, sauf quand tu as des missions ou quoi. Et là, c'est la nuit. C'est la nuit, exactement. Musicalement, en termes de gameplay, j'aime toujours jouer au jeu et puis il y a un dont je parlerai tout à l'heure euh, mais euh, voilà j'aime jouer au jeu jusqu'à un point mm. voilà. euh, après il ce qui est intéressant par contre c'est d'avoir vraiment des gameplay différents par personnage j'ai vraiment l'impression d'avoir, de jouer quelqu'un d'autre et pas euh, un peu à la euh, à certains Budokai à l'époque dans Dragon Ball où en fait <laughs> juste changer de le skin et c'était les mêmes coups euh, j'avais peur de ça à un moment de juste euh, euh, dans le remake, on le ressentait déjà un peu, tu es plus. obligé déjà juste par le, le fait qu'ils ne se battent pas avec les mêmes armes. Mais c'est ça qui, trucs, ça qui fait ça, tu mais, vois. Mais c'est fort parce que quand tu es dans le tour par tour, et c'est alors un argument positif. Ah oui, oui, totalement, parce que le tour par tour, c'est voilà, la même chose. Barrett, il n'a pas l'impact. Ah ouais, et, et je trouvais super intéressant parce que pour moi, ça a toujours été un personnage très fort. Et là, en fait, il est un peu moins fort parce que c'est un tank. Et tu te retrouves un peu le contexte du nain dans les, dans, mmh. dans les trucs un peu fantastiques et tout. Mmh. Et je trouvais ça super intéressant parce qu'ils m'ont fait découvrir un barrette nouveau. Mmh. Le gars, non, tu restes derrière. Es, toi, t'es le sac à PV. Ouais. Et en plus de ça, tu te mets à distance. Et mmh. tu fais chier à distance, c'était mmh. super intéressant. Et Merci pour Yuffie. Yuffie, et... ouais, Yuffie c'est un cheat Yuffie en fait. et, en fait. et, merci. Red et Nanaki, ouais. désolé. C'est oui, le ça. même gameplay que Sora dans Kingdom Hearts 2 quand il est dans le monde du ah, royaume. C'est le même gameplay. <laughs> c'est extraordinaire. Moi, je, moi je me suis retrouvé à. Moi, je pensais... Quand tu vois les personnages, tu te dis pas tu vas utiliser Red, forcément, ouais. tu vois. Je l'ai utilisé une fois, à un moment, quand es avec lui et Barrette contre un, un boss au début du jeu. Et je switch sur Red, j'essaye, et je fais. C'est quoi ce truc de fou Il n'est plus jamais sorti de mon équipe. <rire> <rire> moi, <rire> Yuffie, quel kiff. Ouais, et Yuffie, puis euh, tout et tout et day, day. Et j ah et j'ai découvert Ketsite, et j'ai découvert Ketsite, que j'ai trop kiffé. Ouais, t'aimes bien. Moi j'adore les, les. Moi j'adore les. Ah ouais. Moi bien Pourquoi Écoute, pourquoi Parce que moi j'adore les gameplays avec du hasard. ok. J'adore, par exemple dans Pokémon, l'attaque métronome. Qui était tu faisais ça et tu utilisais une technique de n'importe quel Pokémon mmh. ouais. euh, c'était chez Melofer tout ça qui avait cette technique -là. moi c'était le fait d'appuyer en fait tu laisses un peu au ouais, hasard ouais, le truc cagnotte. de ce que je vais gagner ou pas tu vois moi ouais. je kiffe et donc là le fait d'utiliser le dé pour on à quel ce va arriver je kiffais trop ça ah bah, malheureusement aller. voilà mais c'est dans dans le négatif mais euh... C'est une surface. Mmh. Qu est -ce que était une surface. Et je l'ai aussi ressenti quand il part et qu'à un moment, il nous donne tous ses objets, comme si c'est fini, le gars, il ne va plus jamais pas être le cas là. À et, euh, <laughs> ouais. et donc voilà, je me suis dit, ah oui, carrément. Donc on s'en bat les steaks, quoi. le mec a dégagé du, du, du jeu. Euh, donc voilà, je trouvais que c'était une surface, mais le potentiel était fou. Mais il est vite sorti de mon équipe parce que. Il ne servait pas plus que ça. Ouais. D'ailleurs, toute mmh. la quête avec lui, je voulais me tirer une balle. Oui, voilà, c'est que j'allais <laughs> ouais, ouais. Youfie... tu m'as parlé de Katie Le premier truc que j'ai pensé, c'est le cas de plus. Yuffie, dédoublement, et après, c'était juste du bon. Euh, elle est là, incroyable. j'étais Mais... en mode magnifique. Ouais, J'aime trop. Euh... Vous savez que quand tu dédoubles, elle vole deux fois ah oui, oui, mais elle soigne deux fois aussi. Déjà, quand j'ai vu que quand je frappais dans le vide, en fait, je ne frappais pas dans le vide. J'ai dit waouh J'ai dit waouh, parce que justement, tu peux pas sauter. Luffy, elle envoie elle-même et tu frappes dans le vide et tu frappes là où tu veux frapper, gars, c'est incroyable. C'est un cheat. là, on a parlé gameplay, musique, histoire, un peu système de jeu. Les graphismes qui ont été améliorés. graphismes bien améliorés. Même s'il y a encore quelques petits trucs. Les points positifs. Aussi, mise en scène l'entrée de Vincent Valentine est une pépite. Quand il sort du, du cercueil. D'ailleurs, oh, ai bon, je ne sais pas si on en parle après, mais y a, il se passe quelque chose qu'il n'y a pas dans l'original à ce moment-là. Tu peux le dire, vas-y. Bah, tu te bats contre Vincent Valentine qui se transforme, mais dans l'original, il n'y a pas, cette, y a pas cette, mmh. ce combat. Non, non, pas dans l'original, tu, tu as Vincent et Valentine. Tu... Ouais, voilà. <laughs> mais tu l'as et tu peux ne pas l'avoir aussi. Oh, oui, Russe, tu, ouais. ah, pas euh, Vincent a... Valentine et Yuffie ne sont pas des personnages euh, obligatoires. obligatoires. Mmh. Fou, tu après. rencontres Yuffie dans une forêt, c'est-à-dire quand tu te balades, mm -hmm. c'est un combat et tu te bats contre elle. Tu comprends pas parce que tu vois le cara design, tu en mode c'était pas un monstre. Mm -hmm. Et la meuf, elle te laisse pas le temps, elle te vole et elle quitte. Mm -hmm. Extraordinaire, c'est une voleuse. Et tu marque. la retrouves dans son village en fait. Tu peux la retrouver dans, dans une forêt et là, je pense que tu peux la retrouver. Bah, dans oui, une parce forêt. que dans la forêt, dans un combat, tu, elle, tu après, peux lui poser elle des, elle questions. Pose des questions. Et si tu réponds posi positivement pour mm -hmm. elle. Pas qu'elle reste avec toi, mais plus mais tard, es... c'est ce qui te permet de la voir. Okay, c'est super intéressant. Euh, ça, ça un rappel... pour moi, c'est, euh, c'est un manque, mais on en discutera. Mais de, de, de cette, euh, de cette originalité recherchée dans les jeux pour avoir certaines choses, ça me rappelle ouais, énormément. Débloquer les personnages. Ouais, voilà. débloquer et ça me rappelle énormément. Euh, bah oui, tout ce qu'on a. Et ça me rappelle aussi euh, des. Euh, il y a des quêtes qui sont. n'es pas obligé de le faire jusqu'au bout. Ça me rappelle Metal Gear Solid 3 et quand tu peux tuer euh, le gars au sniper, le vieux qui est un des combats les plus légendaires euh, parce qu'il est aveugle et dans la jungle et tout et que dans une cinématique, la cinématique se termine et continue et t'avais carrément le choix de tirer sur des barils à côté pour que ça explose et en fait le boss, il n'y a plus le boss après tu l'as tué dans, après une cinématique d'ailleurs, pe petite, truc de... euh, petit, petite ouais. information sur ça, si tu changes la date dans le jeu, eh ben, tu il peux meurt le trouver de euh, de... Euh, euh, mort de vieillesse tu changes la date dans le jeu, le personnage, comme étant un vieux, est mort de ça. vieillesse. Et donc tu dois pas l'affronter. Il est dans, dans la position sniper. Dans <laughs> Metal oh, Gear Solid 1, il y avait une couille de ouf. Il fallait sortir le la CD. Il faut changer ta manette de port oh. pour aller dans le. Ah, ça, c'est contre. Euh, <laughs> euh, le Nuku. ninja, là, hein. Psycomantis. comment ce Qui est revenu dans Metal Gear Solid 4. Les et il nous les refait fous, des trucs frère, comme ça. Ah, bah oui, oui, dis... Et il dit Ah merde, on n'est plus sur la PlayStation 1. Tu peux plus <laughs> le faire. C'était un incroyable. truc de fou. Ah, tu vois, ça, ça. c'est cette originalité de gameplay. Et tu vois, ils ont, de... ils ont essayé de faire un clin d'œil à ça avec Yuffie. Parce que quand Yuffie arrive, elle te demande. Elle te ah, pose des questions. Ouais, je peux venir et tu peux accepter je ou pas, mais ça ne change rien en fait. J'ai dit non trois fois. Elle est revenue trois fois. Et à cause du fait qu'elle soit revenue une troisième fois, quand elle m'a posé la question, je suis en mode Bon, je vais pas la faire fuir. Et je l'ai prise et j'ai regretté parce que je me suis dit jusqu'où ils seraient allés. Non non, c'est ouais. Je pense que si tu dis non trois fois, elle te dis ok mais je viens quand même, genre tu vois un truc ouais. comme ça. Et ça c'est mort. Nul. Et ça c'est nul. Bon, nul. On mais a parlé aussi de pour que, quand tu redécouvres, ils, ils ont envie que tu ne manques rien, je ouais. pense ouais. aussi. Ouais mais. Positivement. Non, mais... Les, le, 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 même la, la, la pluralité des décors, tout ça c'est. Pour moi, c'est l'original. l'original. On va passer à ça ouais, On clôture on le positif. On, on clôture donc. le positif par ça. Juste te dire qu'il y a énormément de choses positives. Ouais. Mais, ouais. mais dans chaque chose positive, il y a des bémols ou des gros bémols. Et ben, juste et pour je... revenir oh, sur le... dans quoi. le positif, vous... vous avez parlé de mise en scène. Je pense que c'est quelque chose que j'ai apprécié de ouf. Des trucs insignifiants, normalement. Mm. Quête secondaire, quête normale. Quand tu arrives au théâtre, au Gold Saucer, mm. et que tu es là en mode, je ne sais plus comment il s'appelle, euh... Dio ah oh, non lui euh, Cloud la quête en... secondaire. Non, Cloud dans le théâtre ah quand ils font la comédie musicale Incroyable. tu vois il est assis dans sa cellule je voulais pas le jouer je voulais le regarder j'étais ouais. en mode c'est trop cool incroyable Siegfried Siegfried j'étais en mode c'est trop fort après il y a la dague si ça c'était trop oh, d'ailleurs d'ailleurs à ce moment là je boudais à ce moment là je boudais avant ça vous avez eu le date de Cloud ah oui avec, avec qui t'as eu le date Avec <laughs> qui Attends, attends. Eu qui Tifa Moi T'es okay. pas prêt. Moi on, eu... kiss, on a eu le kiss. Moi j'ai eu Nanaki <laughs> et j'étais deg. J'ai allé avec un chien. Et lui Vas-y. J'ai bah... eu bah, le truc le plus rare du jeu. Ouais. J'ai pas fait exprès. J'ouvre la porte, moi j'attends Tifa. J'attends <laughs> <J 'attends> Tifa. <laughs> moi mon plan il est carré, j'avais préparé des petits sandwichs et tout. <laughs> j'attends Tifa. J'ouvre la porte, sur qui je tombe Kate Seed. Sid Vincent, Valentine. Et tu sais ce que j'ai fait Tu ce que j'ai fait <laughs> J'ai chargé une sauvegarde, je suis parti faire une mission secondaire avec Tifa. J'ai dit, <laughs> je veux Tifa. J'ouvre la porte, les trois mêmes connards <laughs> qui me regardent. Et donc j'étais deg. Et après j'apprends qu'en fait, il y a un tout petit pourcentage de joueurs ah qui ouais, ont eu 4, ça 5 et j'en fais partie. Ouais. Donc en fait sur le long terme je me dis en vérité c'est stylé parce que je fais partie de ça. Mais gars j'ai fait la grande roue on était 4. <laughs> non on ça. était 5. Je... Ah non non on était quatre, avec ouais. 4-6. c'était comme ça. Les gars le plus drôle c'est Vincent Valentine. J'ai même pas vu la vidéo sur YouTube. Les gars Vincent bah, Valentine posé comme ça. Vous faites la grande roue il est posé comme ça et puis après on arrive sur le... Mais moi je vous dis à ce moment là je voulais pas, j'étais trop éteinte. Je voulais tellement pas que quand, dans, la, dans la comédie musicale à la fin Claude il, il, il décide de quitter... Heureux, j'ai mis Red. <laughs> J'avais la haine. Tu dis, ah ouais, bah moi je vais prendre le chien. <laughs> Incroyable. Et si on peut, on peut passer à certains. Alors, euh, avant, avant de passer de cette, à ces points négatifs, euh, important de savoir qu'il y a des points négatifs qui sont pour moi réservés à ceux qui ont fait le jeu original et donc du coup qui sont déçus mmh. parce qu'ils ont connu une version qui était meilleure dans l'original. Et puis il y a les déceptions de ceux qui n'ont jamais fait l'autre version mais qui ont été frustrés par des choses qu'ils trouvaient. Insignifiante dans le gameplay mm. parce que ça n'avait aucun sens de le faire et ils auraient aimé avoir un peu plus de choses à faire mm. à ce niveau-là. Mais donc, du coup, si on peut commencer par quelque chose, les matériels comme ça, c'est arrivé. <laughs> <laughs> bah, ouais, je pense en, en, avait... On commence par la version euh, ceux qui ont connu le jeu avant ou la version. Euh... Bah, on partage l'opinion, je pense, parce que de toute façon, vous, ouais, on a joué au vrai. même jeu. Ce que Bakker a dit, ça se résume à ça. Il y avait des jeux qui testaient notre intelligence avant et étaient euh, récompensés. Ouais. Pour ton ingéniosité et La pour satisfaction ton... aussi. Il ouais, y avait une satisfaction ouais. et tout. En gros, avec les matériaux, il y avait vraiment de belles combinaisons. Ça, c'est un. Il y en a moins maintenant. Et il y avait une rareté. Toutes les matériaux, tu les avais pas, tu les recevais pas comme ça cadeau. Tu les achetais pas toutes comme ça cadeau. Et il fallait débloquer plein de missions secrètes, de quêtes secrètes pour pouvoir avoir certaines matériaux qui sont pas accessibles normalement dans le jeu. Donc, c'est plus. De manière globale, un dommage mmh. sur le concept même de la matéria qui est quelque chose qui a été loué mmh. par tous les joueurs de RPG qui ont fait et pas fait Final Fantasy et dont tout le monde parle. Et là, il y avait l'opportunité de faire découvrir ça aux gens de la bonne manière et ils l'ont juste pas fait. C'est bon, juste ça. C'est très intéressant ce que tu dis parce que pour moi, on peut quand même mettre un. On peut aussi un peu globaliser euh, certains bémols dans cette catégorie qui est pour moi matéria, chocobo, objet, euh, invocation et, euh, chocobo et, et, objet et, ouais, et objet à porter. Pour moi, les objets qu'on porte, etc., les colliers, blah, blah. on est dans la même catégorie de ⁇ c'était important à une époque, et maintenant on a enlevé toute cette importance, on t'a juste tout donné. Les, les invocations... Ah oui, tiens, euh, voilà, t'arrives dans une région, tu peux aller taper les invocations. Tu veux des matériaux voilà. Tu veux des objets, mmh. j'en ai tellement que j'ai rien lu, j'en avais rien à cirer, en plus les je roule T'achètes quasi rien bout boutique. Euh, voilà, ouais. en boutique. Voilà, t'achètes en boutique. En fait, à tout les niveau, besoin, tout ouais. ce qui fait le RPG ne servait à rien. Ouais. Ça veut dire que vraiment, c'était que de, que de la collectionnite. Tous les avoir, juste pour les avoir, mais ça ne servait à rien. Et là-dedans, c'est pour ça que je dis il y a une catégorie euh, où en fait malheureusement j'étais frustré de me dire euh, je suis en train de faire par exemple synthétiser je regardais juste dans la liste celui que j'avais pas fait j'appuyais mais pas pour l'utiliser ouais. j'ai fini le jeu je crois que j'ai peut-être synthétisé que deux fois ouais eh ben <laughs> moi j'ai utilisé j'ai quasi aucun euh, pot tout ça et tout rien le vrai problème c'est quand tu vois que tu peux mettre des matériaux presque enfin pas vraiment au hasard non plus parce que si t'as besoin de telle ouais. chose tu peux mais mais il, y même, il y a plein de choses quand tu les mets presque au hasard, tu peux quand même finir le jeu. Pour moi, ouais, ouais. ça, c'est un problème. Tu vois ce que je veux dire bah, le... C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure que synthétiser, je trouvais ça très très bien et que c'était mmh. un point positif pour moi. Mmh. C'est parce qu'il n'y avait pas juste l'utilité. Il y avait synthétiser, c'est cool. Mmh. Et il y avait aussi l'objet prendre la valeur parce qu'il n'existe pas. Et on a parfois besoin d'argent, parce que c'est pas facile de gagner Là, de l'argent. <laughs> Et du coup, quand ces objets-là, tu les revends, tu les revends cher. Mmh, ouais. Donc si tu vas dans cette direction-là, c'est intéressant. Mais ça reste trop compliqué d'avoir beaucoup d'objets synthétisés pour pouvoir se faire beaucoup d'argent. Donc dans tous les cas, c'était pas optimisé de la meilleure des manières. Mais juste, mais ça, voilà. pourtant, il nous reste 10 minutes. Ça va très vite. Ouais. On va essayer de ne pas trop... Comme okay. ça, on peut parler de certains, certaines choses. Vas-y sur les matériaux toi. Bah, tout a été dit, je pense. Hein, euh... Et Moi... tu peux... Si, si c'est ça... tu ah, comme j'ai dit à la catégorie, ça peut être chocobo, donc n'hésite pas à dire ce qui existait avant et qui on a perdu malheureusement. Ben, déjà, moi, ce que j'ai testé le plus par ben, niveau des matérias, c'est la matéria d'invocation. Ouais. Euh, la mettre sur une arme euh, et qu'elle vient seulement quand elle a envie de venir, j'ai détesté. Parce que je jouais tellement bien qu'elle ne venait jamais m'aider. Ah <laughs> Ou que le combat était fini. Ouais. Par exemple, le, le remake. J'ai fait ni le jeu sans voir une seule invocation. Ouais, ça c'était très chiant. J'ai pas compris pourquoi. Je les avais quasi tous, mais j'ai jamais vu d'invocation. Pareil. Dans le 2, là, j'essaie de me faire frapper pour voir. Allez viens, comme ça je regarde. Mais on en est là. Voilà, c'est pas normal. Non mais en soi c'est une bonne idée. C'est on vient t'aider, mais c'est raté. C'est une fausse bonne idée. Non mais c'est pour ça. Fantasy 15 c'était ça. Elle venait quand elle voulait. C'est de ça qu'ils ont pris l'idée. Sauf que dans Final Fantasy 15. Il y avait quelque chose d'autre. Tu es dans un monde ouvert, il y a des ennemis qui continuent à arriver, des trucs ah. comme ça. Ok, c'est une mauvaise idée. Déjà, oh, la non, fin de ça me frustrait de me dire Mais moi, je veux le voir, le oh, gars, je ne est... le vois jamais. On, est... Grammy, on est tout moi, ça. Moi je l'ai sur un bouton, regarder pendant ça. 5 minutes qu'il pas fait son truc. L'invocation, la force de l'invocation à l'époque, et ce qu'on n'a pas aujourd'hui, et c'est pour ça que pour moi, je trouve ça très dommage, c'est que c'était une cinématique. Mm. Donc, on avait dans le jeu un moment où on pouvait faire Oh Et là, maintenant, on a. Ouais, bon. On finit le jeu et on voit des cinématiques. On fait oh il y a des cinématiques mmh. parce que le jeu est super beau. Du coup tu t'es pas dérangé, mais quand t'en as une, tu te rends compte que c'est dérangeant. En fait. y a contre, pas assez de cinématiques. Par contre euh, euh, c'est Shiva. Euh... Ouais. Sheva, ouais. Elle par contre elle spam. Est elle spam. Elle spam. Ouais, Elle est tout le temps, elle là, tout tout le temps disponible. <laughs> elle sert à que dalle, presque, dans le presque la vérité. Je l'avais la jamais. C'est <laughs> la vocation que tu as dès ouais, le début. Euh... Euh... Elle sert à rien frère. C'est dommage. C'est dommage ouais. parce que voilà si tu joues à Final Fantasy 8 une des premières missions, tu vas dans la caverne d'Ifrit et tu te bats contre Ifrit moi, pour l'avoir. Moi, c'est le fait d'aller, d'avoir de, des terrible. choses parce que tu vas dans des endroits. Moi, ouais. c'est trop important pour moi d'aller à un endroit, bien, combattre pour, pour gagner et recevoir. Oh. Moi, tu m'amènes tout dans un truc virtuel en mode entraînement Street Fighter. C'était pas bon, terrible. Moi. Mais que les... On va pour pas moi, parler de ce bonhomme des parce des que c'est mon hein. plus gros problème et c'est moi okay. qui vais la. On passe rapidement au Chocobo. Ouais. La problématique du Chocobo, parce que vous la connaissez bien. Alors, l'évolution des Chocobos était très limitée. J'aimais bien cette partie dans l'original où tu devais élever les chocobos, les accoupler, aller chercher un chocobo à tel endroit. C'était génial à ce moment-là. On passait ouais. énormément de temps à aller chercher, trouver les bons fruits, les nourrir, s'en occuper. Et quelque part coups. ils ont essayé de le faire parce qu'il y a l'émission où tu vas chercher ouais, des ouais, chocobos. Ça, ça ouais, non, mais... mais ça aurait été bien s'ils si avaient terminé. Chocobo. voilà. voilà. Avaient et du coup c'est une fausse bonne idée. C'est mmh. ça que je dis. L'idée elle est bonne parce qu'elle est originale et ils l'ont gâchée. Ils ont bâclé, bâclé, ils bâclé. Ouais. Comme voilà. souvent ils bâclent. En fait ils ont bâclé tout le reste. Ouais. Je sais pas pourquoi, peut-être d'un point de vue graphique, ils se disent ben, maintenant c'est beau, les gens vont être contents parce qu'ils voient des chocobos de telle ou telle couleur. Moi, je pense qu'il y a. a nous, en fait. En fait, un manque dommage. de confiance dans le RPG. Ouais. Pour le RPG aujourd'hui, c'est euh, soit c'est du MMO, RPG. Mm -hmm. Et on a l'impression que le RPG, pour les gens qui sont là chez eux, ça ne fonctionne plus. Et, euh, et bah, ils l'ont fait avec Gilgamesh. Donc, en fait, ce qu'ils ont fait avec Gilgamesh, ils auraient pu oui, le faire avec Chocobo, mais ça prend peut-être trop de place. Parce que oui. regarde, Gil Gilgamesh, tu kiffes parce qu'il apparaît à plusieurs endroits, parce qu'on a une vraie relation avec lui. Et donc, c'est assez complet. Est comme aurait dû être une les chocobos, s'ils l'avaient fait à la, à la manière euh, Gilgamesh, qu'est-ce qui, qu qui serait passé Exactement ce qu'on a vécu. Et puis, quand tu dois les accoupler, il y aurait eu des scènes où t'attends et puis tu vois que tu as raté. Mmh. as accouplé, t'as pas eu le chocobo noir, mais tu as la cinématique et ah ouais, mais alors t'as pas utilisé le bon légume, il faut aller chercher celui-là. Et c'est ça qui manque en fait. Ouais. Et je pense que ça prend peut-être trop de place dans un jeu vu que ça aurait fait Gigamesh, Mesh, ouais, des Chocobos, je me les... Moi je pense que tout ça, ça prenait ouais, y a trop eu de plein place. plein de petits jeux qui servaient à ça rien. Il y avait des mini-jeux de excellents et il y en avait d'autres ouais, qui étaient catastrophiques. Vrai. Vrai. Mais euh... Euh, le jeu de cartes, moi je kiffais. Oh, je suis euh, fan. Euh... <laughs> ils, ont <déblo> <laughs> ils ont débloqué le jeu pendant okay, ben. deux ou trois ans. C'est une moi équipe à part moi de, de… Moi, moi je, je le je, je, je sais il pas, pas quand il sortira en goodies, mais… Je le... le jeu est incroyable <laughs> et moi la quête finale est triste. Comment elle termine ouais, là, Malheureusement, oui, c'est vrai. Le, la, la fin de la quête est une catastrophe. Tout le build-up excellent, la fin de la quête est une catastrophe. Donc, tu vois ça dans un Final Fantasy 8 j'irais même, euh, avec des Ultime et tout ça. Tu termines avec ce build-up de ouais euh, le gars qui a créé le jeu il est maudit et tout. Mmh. Tu tombes sur un boss imbattable. C'est ça. Là, voilà, rien ouais. du tout. Ça, parce que rien du tout. Dis-toi, les deux gros boss du de l'original, c'est Ruby et Emerald. ces deux qui ont d'ailleurs été utilisés dans le jeu avant. Vous tombez sur euh, des affiches mmh. et on parle de lieux, etc. Et en fait, ouais. les lieux Emerald et les lieux Ruby. Je pense qu'il y avait même teasé, sapphire, ou un euh, truc euh, comme ça. Ouais, ouais, c'est fort possible. Ouais. Et donc euh, ça, c'était les deux gros boss sac à PV. C'était des armes, hein, c'est ça. Ouais, c'était des armes. Ouais. On a rencontré des armes dans le jeu. J'espère que, que Emerald, c'est pas ça, parce que mmh. c'est juste triste mmh. visuellement. Et, et non, s'il vous plaît, <laughs> non. Mais bon, bref, je sais pas s'ils vont le faire, mais dans les jeux Final Fantasy, as les boss principaux qui sont déjà difficiles et t'as les boss annexes pire. qui sont imbattables. Et ça. Terminer sur un vrai boss dans un jeu comme celui-là, ça aurait été incroyable. Et ils l'ont pas un fait. Peut-être qu'on a ça avec Gilgamesh, mais on a, avec ouais. mais on a des, même avec Gilgamesh, je sais pas ça. Comme c'est Virtual Kingdom Hearts. Les Valkyries, il y en a ouais, beaucoup, voilà. c'est pour ça que je prends ça. ça comme exemple. C'est un truc de fou. C'est quoi ton gros bémol euh, que tu disais, le gros son La, le, gros le, le personnage le plus problématique de ce jeu, remake et rebirth, c'est Cloud. C'est Shadley. Ah, c'est le <laughs> problème du jeu. Chadley n'a rien à foutre dans toutes ses plaines et dans tous ses lieux parce qu'à la Chinra, ok, dans le remake, en fait, mmh. je t'accepte, t'appartiens à la Chinra. Il y avait même une meuf Chadley à un moment, j'ai vu. Ouais, ah, ouais, ouais. <laughs> ouais, frère, fait, ah ouais frère. frère, comme toi, t'as pas fait les quêtes secondaires ouais. T'as pas as vécu fouille. le Chadley Non, mais quand je le voyais à chaque fois, je non disais, mais la là là de me suivre. Là là alors, alors tout simplement, tout il a juste ré... En ouais. plus, ils ont, f... ils ont essayé de faire un truc où à un moment donné, il se faisait contrôler par quelqu'un ouais, de la Chine ouais. Peut-être que ça arrivera dans Reborn, mais je m'en fous. C'est pas intéressant. Je veux pas voir ce type en boss. Je veux mm. pas voir ce type en ami. Je veux pas l'avoir. Il dérange. Il dérange parce qu'il nous a gâché les invocations. Mm. Il dérange parce qu'il est partout et... et donc il est en rapport direct avec toutes les quêtes secondaires. Et du coup, les quêtes secondaires ne sont pas à toi. Elles sont à châtelet et donc, tu n'as pas exactement. un univers, tu as juste Chadelet ouais. qui te dit hey, « Eh, va voir un peu là-bas, il y a des minéraux. Ouais, » Je suis d'accord. <laughs> et les, 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 les deux autres, euh, pour, pour essayer de citer et pas rentrer trop dans le truc, ce que je disais tout à l'heure, Iris, pour moi, est problématique en termes de gameplay parce qu'elle fonctionne en tour par tour. Elle se fait tuer trop facilement dans le, dans le Rebirth, elle me saoule. Dès qu'on me la donne en, dans une quête où on est obligé de la choisir, je suis en mode, ça va vraiment me saouler. <laughs> moi, je, je trouve qu'en tour par tour, elle, elle, elle a sa place, même parce qu'elle elle a des types de magie pour le soin en bazar, là, et tout. Là, En fait, tout dans le monde est était, ça elle était... Pas. Dans Remake, je m'en souviens qu'elle était bien. Elle, qu elle... Elle, elle, elle était bien. Elle, elle remake, était mieux gérée. Moi, était... je me souviens ouais, que j'avais pas de problème avec elle. Mais dans Rebirth, même moi, c'est une catastrophe. ouais. Que et euh, l'autre chose, c'est le jeu est fini, l'histoire, etc. Malheureusement, j'ai eu un sentiment Kingdom Hearts 3 où tout le jeu, tu mets de temps en temps des mini-scènes, Zach, blablabla, bla 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 bla, parce que tu penses que ta fin est incroyable. On et pas à la fin, en fait, fait c'est là où il y a tout qui se passe en quelques secondes. Et ouais, en fait, là, il a fait le jeu original presque. Et à la, à fin, la fin, il a, il a dit truc. on va te, met va te mettre <laughs> que du qu remake. Moi, j'ai une autre théorie. Juste pour finir, et tout ce qui est vraiment intéressant, tu me l'as mis dans un jeu mobile. Nomura et les jeux mobiles. Kingdom Hearts 3, uh, King Mars c'est la même chose. Oui et non. Chose, oui Crisis, non. Intéressant, bla, oui bla. et non parce que le, le... c'est quoi le nom du jeu mobile encore? Before Crisis. Actuel? Il y a Before Crisis et Ever Crisis. Ouais c'est ça. Ouais. C'est Ever avec Crisis euh, avec et... Young Sephiroth. Voilà ouais, c'est Ever Crisis. Mais moi je, je vois la chose autrement. Ils ont sorti remake. Il y a pas Zack jusqu'à la fin. Ils te disent, Ok on va faire quelque chose avec Zack. Tout, ouais. Tout le monde est en mode choc mental. Ils n'ont pas sorti Rebirth. Ils ont ramené Crazy Score pour te dire, ça c'est l'histoire de Zach. Ouais. Et pour te dire, Zach, il n'a rien à foutre dans Rebirth. Attends, laisse-moi finir. C'est pas Zach. Moi. Ouais, mais tu me dis, tu me tises, tu me tises, tu me tises, non, et non. à la fin. Non, c'est pas ça. C'est pas que tu me tises sur Zach. Tu me tises sur les nouvelles choses en termes d'histoire. Que tu vas mettre la nouveauté de, Tu me la donnes. Mon me expérience... La... On ne la vit pas. Non, non, mon expérience, c'est que quand j'étais avec Zach, je voulais que ça se passe exactement comme ça s'est passé. C'est-à-dire, des... court. Et sans, 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 un, sans impact sur le mmh. jeu. Ça, c'est ma plus grosse déception du, ouais. du jeu de manière générale, de, de tout cet univers remake, c'est que tu nous montres un Zack vivant ouais. et qu'au final, Crisis Core, c'est l'histoire de base. On ouais. pas, moi, moi, pour moi, à ce moment-là, Crisis Core, ça devait être le Zack qui a survécu. Tu vois N non, mais tu vois donc laissez-moi finir mon, mon argument. Après, on peut ouais. ne pas être d'accord. Mmh. Moi, j'ai kiffé pour une raison. La raison, c'est la suivante. Jusqu'ici, on est conscient qu'on est dans un multiverse. Tout va bien, mais on est toujours sur la timeline quasi principale ou sur une deuxième qui ressemble à l'original. On a fait Crisis Core pour, te, pour, pour dire à tous ceux qui n'ont pas joué à Crisis Core, c'est cette histoire-là que tu dois connaître. Pas mmh. pour euh, faire mmh. un mmh. rebirth mmh. ou un... Moi j'ai une idée par rapport à ça. Pour dire, dire aux gens, tard, ouais. euh, voilà, qui sont les personnages importants que vous devez inclure dans votre esprit pour la suite. Pour moi, tout ça, c'est pour Reborn. Si Reborn se plante, je serais d'accord avec ouais. vous, mais je suis persuadé que c'est pour que les gens soient dans la mmh. bonne timeline avec les bonnes informations pour vivre je peux la punchline avec Re reborn. Parce qu'on va devoir clôturer, on est sur, on est sur la fin. Euh, juste pour, j'aimerais j'aimerais qu'on termine juste sur la théorie. <laughs> mais justement, euh, c'est aussi un peu lié. C'est pour ouais. ça que on, je... juste parlé, sur cette théorie pour, pour recontextualiser et puis après on pourra clôturer. Mmh. Donc dans le jeu Ever Crisis, on découvre la vie de Sephiroth quand il est plus jeune. Et puis on voit que bah, humainement, il a été très affecté par des choses qu'il a dû faire avec la Shinra, notamment tuer quelqu'un qu'il considérait comme un ami. Et puis à la fin de tout ça, quand on voit qu'un Sephiroth est considéré comme un héros, et à la fin de tout ça, on voit un Sephiroth qui est dans un endroit avec euh, l'espèce de, avec la, je sais plus comment ils appellent ça, la timeline, tout ça, le truc, mm -hmm. le ciel en mode galaxie, oh, ben tout elle. ça et tout là. Et euh, et on le voit, on voit un Sephiroth assez apaisé au niveau du visage. Et donc, euh, dans ce moment-là, ce que je disais à, à Tarek, c'est que ma théorie à moi, c'était que euh, ce Sephiroth-là allait venir nous aider, puisque ce n'est pas dans la même timeline. Et, mais, euh, complété, mais Tarek hein. a, a, pour moi, a mis une autre théorie qui est pour moi est plus intéressante. Mais vas-y, euh, c'est venu directement. Mais le truc, c'est que je me suis dit c'est que l'endroit où il est, c'est exactement l'endroit où tu te bats contre lui à la fin de remake. À la fin de remake, Sephiroth, il, dit, il demande à Cloud de l'aide. Et il n'est pas en psychopathe. Il n'est pas un psychopathe. Dans Rebirth, euh, Sephiroth ne donne que des ordres à Claude. Enfin, Il lui dit de le suivre, etc. etc. Donc pour ouais. moi, le Sephiroth combat à la fin de remake n'est pas le Sephiroth combat dans Rebirth. C'est pas, ouais. pas le même gars. Et pour moi, c'est ce Sephiroth-là qui nous aidera en fait. Donc en tu fait, vois? le Sephiroth qu'on croit combat dans Rebirth, qui est là, n'est pas du tout le même. Et d'ailleurs, son mode d'apparition n'est pas le même du tout. Il fait que vivre à travers les mecs qui font réunion, il fait Exactement. que parler dans sa tête et tout. Et c'était le nom est... du jeu Crisis Core Il peut-être. C'est être... voilà, pas du tout le même gars. Et donc, on a des chances que celui qui veut, qui dit qu'il a besoin de notre aide dans le, dans le remake, est celui d'Ever de Crisis. Et celui-là veut vraiment arranger le, le, le système. Que je disais au début quand on a un je héros les... et on a un méchant. Mais ça, quand je disais le, le, mé, le méchant que tu as un peu en, envie de voir devenir gentil, ouais. ben c'est lié à ça, ça parce oh, oui, qu'il demande de l'aide à Claude et celui de Rebirth ne dit jamais à Claude de l'aider. Ça mmh. ouvre donc et je pense que tout ce qu'on est en train de dire, théorie etc. Ça revient sur l'argument principal de Bakker qui était c'est un, 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 un film magnifique parce qu'en fait là maintenant on a pff, une une foule d'informations et mmh. aussi de possibilités pour foirer ou faire quelque chose d'incroyable. Moi, en termes de film, on va rester sur du film parce qu'on a, voilà, en termes de jeu, on sait ce qu'il y a des plus et autres. En termes de film, remake, c'est une masterpiece parce que ceux qui ont vécu l'original, ils peuvent être contents, pas contents de ce que je te dis. Ils ont eu l'opportunité de reconnecter et ils ont eu nouveauté. Ils ont eu, mais plus que nouveauté, c'est de la meilleure des manières. C'est genre faire euh, le, Mar le Marvel Cinematic Universe avec euh, euh, le dernier boss là, enfin, okay. non, non, Thanos, pas. Thanos, c'est fa facile parce que c'est existant et après tu fais quelque chose mais ça prend du temps mmh. tu vois, arriver à faire ça en un jeu, mmh. en un jeu et à te donner ce truc de ok il y a le multiverse, y a ici si, et que ça soit si cohérent mmh. et que tu ramènes justement ces personnages qui, qui, à qui on tient et après tu dis tu sais quoi refais un peu Crisis Core je vais pas te faire un remake mmh. juste refais-le comme ça t'as compris masterpiece que j'ai moins vécu dans Rebirth qui était plus terre à terre où on vit juste l'histoire on va jusqu'au bout je, je me souviens pas à 100% si tous les éléments sont exactement comme dans l'original je sais pas si toi tu Il y a des, ah, des changements tu... Il y a des, ah, changements, ouais, des changements comme bah oui comme quand Tifa, elle est dans le ventre de l'arme <laughs> euh... mais désolé. Désolé, je suis désolé je c'est une minute vraiment je suis désolé je <laughs> suis obligé parce que j'attends de parler de ça depuis le début en fait. mais le truc qui rejoint ce que tu disais aussi de ce qu'on parlait pour Reborn c'est que pour moi, euh, le truc là-dedans, c'est quand t'as dit que dans Crisis Core, euh, on t'a montré des personnages, c'est important. Ouais. Ah, pour oui. moi, le fait qu'on appuie autant sur les deux gars qui sont venus chercher Genesis, ouais. parce qu'on a un DLC de Yuffie qui est, qui est centré sur un des deux gars, mm. et parce que ces gens-là ont des gènes de Genesis et pas Sephiroth, et que dans Dirge of Cerberus, donc le jeu avec euh, Saint Valentine, ah, Saint -Valentine ouais. le méchant soit l'autre gars qui va chercher Genesis. Et à la fin, on a Genesis qui est vivant, et qui, qui part. Donc ça veut dire que l'histoire de Final Fantasy que vous avez vécue, Genesis est survivant dans ce monde. Et pour moi, le fait que dans Crisis Core, on te remonte à ce point-là, cette histoire-là, et qu'on a même eu un DLC centré sur ça, et que la phrase de Genesis qui est « Même si les lendemain sont vides de promesses, rien ne pourra empêcher mon retour. » Moi, je pense que si tu veux réussir ça, c'est que l'antagoniste principal à la fin de Reborn, ce soit Genesis. D'où ton envie et que Sephiroth, Sephiroth soit un méchant ]ogie. et un gentil pour voilà. qu'on ait un Sephiroth qui a été toujours le rêve ultime de tous les joueurs jouer avec Sephiroth, ce qui mmh. nous donne dans l'original et dans celui-ci, ce que vous avez pu vivre mmh. et vous dire, non sérieux, je, mmh. je, je, peux, bien. je peux courir avec Sephiroth !» je <laughs> j'étais choqué. J'ai un truc de vu fou. Ben, ben, dis-toi <laughs> que c'est là où je te dis que pour moi c'est des génies. C'est ils ont eu l'opportunité. Je pense que jusque là ils font un sans faute en termes d'histoire pour un film. C'est on va recréer tous ces moments incroyables comme avoir Sephiroth, te donner envie que ce soit un bon gars. Potentiellement, c'est possible pour arriver vers Genesys. un. Et donc, pour et juste pour ça, tout ce qui se passe avec Zach dans Rebirth, ça ne doit pas être plus que ce que c'était. Et temps, si Genesis était, était encore vivant et c'est lui qui avait peut-être provoqué tout ça. C'est ça. Il <laughs> y a de grandes chances. Et sachant que j'ai lu parce dans le. Ça donne trop de place à Zack. Il faut pas, tu vois. Sachant que j'ai lu, si lu dans le Genesys dernier Ultimania que l... plusieurs fois qu'on a vu Zach dans le jeu, c'était pas chaque fois le même univers. On mm -hmm. et oui, oui bah et parce qu'on on voit quand il prend le chemin pour sauver là je crois. Et euh, On voit Bigs. la cinématique de Biggs, quand même. Ouais, oh, voilà. Donc, c'est même, même pas à chaque fois le même Zach joue C'est même pas. Donc, mais là, il, il passe mais là, là ils le font surtout quand t'es avec euh, Iris et, et Cloud. Ouais, dans, ouais, ouais. Dans les et autres après, univers. Autre gars, et à chaque fois, c'est un chien différent. Il y a 5-6 chiens. Donc du coup, voilà, il y avait tellement de choses à dire, on ouais. aurait pu en parler pendant encore des heures et des heures. À la tu veux rajouter quelque mais chose on a, on a clôturé non, sur ça. <laughs> ouais. Désolé, on a vraiment a clôturé euh... sur et ça. rien, mais... on n'a rien touché. <rire> <rire> voilà, il ah, y avait des tas d'objets sur la table, il y avait des tas d'objets sur la table qui étaient intéressants, surtout cette potion, cette potion de Final Fantasy VII qui est vraiment oh. incroyable. Et euh, voilà, j'espère que vous avez kiffé euh, ce nouvel épisode de NicheN. on va essayer d'en faire très souvent. Euh, là, je... Comme j'avais dit, euh, j'ai passé la deuxième, donc normalement on va faire beaucoup de, de nouvelles choses, mais surtout des, des, des formats que vous aimez énormément, je le sais, parce que vous avez fait que me demander ce ni Cette fois-ci, ce n'était pas autour du cinéma, mais autour du jeu vidéo et principalement Final Fantasy VII. Euh, si, ça, si vous avez kiffé, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et euh, surtout à vous abonner. Et puis ben, on essaye de se revoir une prochaine fois. Merci les gars, c'était vraiment un plaisir. Et puis euh, on se voit très bientôt sur ce. Sur celle-ci. Ok, il a dit Abdel sur celle-ci. <laughs> <laughs> Truth